Ready? Ready to go. Allez, attends. Vas-y, envoie. Attends, il a fait un truc chelou. Attends. L'écran, il s'est éteint. C'est toi qui l'as éteint. Non, t'as les hâtes, là. Allez, cette fois-ci, c'est là. Bien, bonjour à chacun, bonjour à chacune, salam alaikum. Très heureux encore de se retrouver aujourd'hui avec M. Alex Bardieu et M. Sam Chamoun. Et nous sommes encore très heureux de retrouver en tout cas Moussa et Karim. Nous sommes en tout cas très contents de pouvoir en tout cas aborder une thématique. Aujourd'hui, c'est un échange, c'est une discussion, c'est pas vraiment une grande conférence. Donc sur la thématique, Mohammed est-il le prophète de Dieu? Alors mes chers amis, on a eu un super débat hier, c'était vraiment très intéressant avec vraiment une très bonne atmosphère. Et puis bah, écoutez, aujourd'hui je vous laisse un petit peu prendre un petit peu les rênes de cette conversation qui est bon enfant, qui est sympathique en tout cas, quand même sur un thème quand même qui est très très important. Ouais. Ok, bon en gros je vais commencer, pourquoi? Parce qu'en fait je vais juste rappeler donc une chose, on va essayer de traiter un point par un point. Comme ça en fait ça évite de s'éparpiller sur 50 000 sujets, etc. Donc voilà, en gros c'est une discussion libre, donc bien sûr. Mais bon, on essaie de pas monopoliser la parole, etc. Donc voilà, encore, ma première question en fait pour toi, donc Alex, c'est qu'est-ce qui pour toi fait que Mohammed n'est pas un vrai prophète de Dieu? What makes you believe that Mohammed is not a true prophet? C'est pour toi, Alex, que je demande en fait. À toi. Pour que tu réponds. Non, mais c'est pour toi. Yeah. Je demande à toi. Sinon, non, mais il faut que je lui traduise, sinon, oui, il faut qu'il traduise. Ça, chaque fois qu'il le traduise. Okay. Mais là, la réponse, c'est ensemble qu'on a, pour que ça soit. Si je réponds, ouais. Enfin, après, il faut que je traduise, qu'il retraduise. Donc, il faudrait que ce serait ensemble, en unité. Ok, allez-y, faites okay. Librement comme vous voulez. Ok. Yeah, the most important of which is that Muhammad claims to be a prophet in the line of the prophets that came before him, and he confirms the scriptures in the possession of the Jews and Christians of his time, and he doesn't. He contradicts those scriptures, proving he cannot be a prophet. Oui. That. La raison pour laquelle nous pensons que Mohammed n'est pas un prophète de Dieu, c'est parce que il n'est pas de la lignée des prophètes comme décrit dans la Bible. Let's see if we can look at those verses. Et on a des versets dans le Coran, si tu veux. Oh, so they have the Quran, and maybe they can read it. Okay. Si vous avez le Coran, on peut lire le Coran. Tu peux le dire, moi je. Okay. I'll do it. Well, it'll be easier. I even gave it here for you. But anyway, go to chapter 2, Surah Al-Baqarah. Chapter 2, verses 40-44. You have a Quran, sir? Mm-hmm. Yeah, I'm not sure. Two. Yeah, chapter 2, verses 40-44. There is a series of verses where the Quran repeatedly says that Muhammad confirms what the Jews and Christians have at that time. What they had at that time is what we have. So, ok, sourate 2, oui. Verset 40 à 44, oui. je les lis. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai si comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations comme un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Et accomplissez le salat et acquittez le zakat. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous citez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Now, there's a couple more in Baqarah. I just want them to say, don't lose your place. Okay. Go to now, verse 89. Surah Al-Baqarah, ayah 89. What chapter? Same chapter. Don't lose your place because time is fleeting. So okay. C'est quelle soit? C'est quoi 2? Verset 89. Okay. Surah Al-Baqarah. Yeah. Uh-huh. Chapter 2. 289. Okay. 89. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Read verse 91. Why do you keep getting off the pitch? Et verset 91. Et quand on leur dit, croyez à ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous. Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dit, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants?
Okay. Don't get off this. So you did it again. Okay, go on. Is it like an addiction for you go to get on, off go of on, it? Go on. Can you go on your side and maybe he comes on my side? Okay. I want you to emphasize that the repeated pattern, there's a couple more that I want them to hear, is that he confirms what is with them, confirming what you have in your possession at that time, not something that existed long ago. Are you seeing that? Que Mohammed confirme les écritures devant lui. Okay, now 97 and 101. Okay. There's a couple more, I just want them to hear. Verset 97 et 101 et après. 97. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel, que celui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Okay. Et verset 101. Go to 101 when you're done. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme si s'ils ne le savaient pas. Final one, this one is Surah An-Nisa, chapter 4, verse 47. Chapter 4, verse 47. And then we can engage this, because le dernier verset. If he confirms what they possess, that means he confirms what we have, because they have the same thing, but he contradicts what those Bible teaches. Si vous confirmez, comme Mohammed confirme, mm-hmm. ce que nous avons, yeah. on peut utiliser la Bible pour voir les critères du prophète. Okay, so 447, Surah An-Nisa 447. Then it's a little slow here. Right? So slow. Yeah. That's why we needed the Quran with us, but I don't have a no, fresh Quran. Yeah. Surah An-Nisa, it says. That which they have with them. Yeah, you don't have a Quran on you, right? Yeah, I don't have. No. So none of us. You don't have a Quran? I know the Quran. Okay, so you know what it says, right? It's talking about the Jews. Yeah. Mm-hmm. That he confirms what they have with them. Why? And their faces will be effaced if they do not believe in what was sent down to Mom. You know that, right? Mm-hmm. Okay, so dire en gros que Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, en fait, ben, le Coran dit qu'il doit, en fait, il confirme en fait, ce que les écritures passées disaient. Exactement. Et donc, en gros, il a confirmé la Bible. Exactement. Le problème, c'est que le Coran ne parle déjà jamais de la Bible. Jamais. Ça n'existe pas un verset qui parle de ça. Le Coran confirme les messages qui ont précédé. Autrement dit, ce que Allah a révélé, la Torah, l'Évangile, les psaumes, etc. C'est tout. He said that there's nowhere that where it says that it confirms the Bible, but rather it confirms the message. No, actually, it doesn't. It says it confirms what's with them, what they possess. No, il dit c'est pas vrai que c'est que ce qu'il dit c'est que ce qu'il confirme c'est ce qu'ils ont avec eux. Avec eux. C'est marqué où? C'est marqué là. All these verses we read. C'est que vous avez avec vous. Surah Al-Yunus, ayah 37. It says the Quran was sent down to confirm the Kitab that was before it. What? The word Bible, to explain to him the word Bible, le mot Bible, it comes from a Latin term, ça vient d'un mot latin, which latin. Comes from a Greek term, qui vient d'un which mot means book. Grec, yeah. Qui veut dire livre. It okay. means books. So that means the Arabic equivalent of Bible is Kitab. L'équivalence Bible kitab. In Arabic would be Kitab. So when it says it confirms the Kitab that is with them, that means it's confirming the Bible, because that's what ça the Bible confirme. Means. The Donc, book. Ça veut dire que so yes, the Quran does say that. Le livre, quand il y a écrit livre, ça veut dire qu'il confirme la Bible. En fait, c'est comme le débat d'hier, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous mélangez les mots et les cultures, et surtout ce que dit le Coran. Parce que le Coran, en fait, quand il utilise le Kitab, il a une spécificité. En fait, il parle des révélations qui ont été faites antérieurement. Jamais ça ne fait référence à la Bible, même si ça, El Kitab, ça veut dire la Bible, en fait, en latin, mais ça, ça n'a rien à voir. You say the Kitab, no, it's not meaning the Bible, it means the revelations. I have to repeat the point because I probably wasn't clear. Je comprends, j'ai très bien. When the Quran says it confirms what you have, ils ont pas dit qu'il n'y a pas. Non, mais dis-lui, il n'y a pas. What other book they have? It says it's not the Quran, what you have with you. Yeah, it does. We just read the verses. On vient de le lire. Non, can you read it again? Non, c'est pas avec vous. C'est ce qui précède. Yes, it does. Read it again. Which one? Go to 240 to 41. On va laisser lire. Le mieux, c'est de lire. It says, what is it with you? Tu l'as, toi, Moussa? Read it so you can hear it slowly. Let me emphasize one second. If we all talk over each other, we're going to get it. I'm out of time. Let him pay attention to the verse that says, this is sent down to confirm what is with you. What is with them, what they have. Yes, it does say that. Ça confirme ce qui est avec vous. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos enseignements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation en ce qui était déjà avec vous. C'est bien. Ce qui était déjà avec vous. Oui, mais qu'est-ce qu'Allah il a fait descendre? Allah il dit qu'il a fait descendre Taurat ou l'Injil, Sourate 3, verset 3.
Okay. It says Surah 3, verse 3, that he descended the Torah and the Injil. Okay, so now is he agreeing that the Quran is confirming? Because he said, no, it says the message. Now he changed this. Est-ce que tu es d'accord que le Coran confirme la Bible? Because he first said, no, the message. En fait, le message de la Bible. En fait, il confirme les révélations qui ont été faites. Non, je ne change pas la position. Confirming the revelations, but not the book, but not the Bible. But he just said it confirms the Torah and the Injil. So what revelation? La Torah et l'Évangile coranique, hein. C'est-à-dire en fait le message qui a été donné à Isa et à Moussa. Coranic Injil and Torah. But the verse said whatever he confirmed was with them. With them. Ce qui était déjà avec vous, ce qui était avec vous. Donc en fait c'était avec leur parole. La Torah elle est où? On la trouve dans la Bible, mais ça ne confirme pas la Bible. Read for him again, 89, Surah 289. Because the language is clear. What they have, he confirms. I confirm what you have, not what came centuries earlier. En fait, je suis d'accord, mais attention, ça ne signifie pas la Bible. Ça signifie les révélations coraniques. On est dans le Coran. El-Kitab, c'est les révélations, c'est les révélations spécifiques du Coran. It does not confirm the Bible, confirms the revelations of the Quran. The verse didn't say it confirms the revelations of the Quran. At first, it says it confirms what the Jews and Christians had in their possession at that time. Oui, what they had. So he agrees. De la Torah et l'Évangile. La Torah, qu'on a bien de lire. De la Torah et de l'Évangile. Karim, ta traduction, elle doit être claire parce que là c'est filmé. Il faut que ça soit clair. Moi, j'aimerais bien que tu traduises aussi en français clairement parce que là on comprend pas. Okay, très bien. Thank you. Thank you so much. Okay, so it's saying that confirms the message of the Torah. Car il laisse le traduire, parce que si les gens... Vas-y, dis-moi, je sais pas traduire exactement ce que tu m'as français. In French. Le Coran, lorsqu'il parle de Kitab, d'accord, il parle de la révélation au sens général, d'accord. Et les révélations qu'Allah parle dans le Coran, c'est la Torah, l'Évangile, le Zaboul. Il n'y a pas la question de la Bible. Alors, si le Coran dit ce qu'il y a avec eux, oui, mais des messages qu'on vient de citer. Okay. Pas l'épître à Timothée ou la. Okay, not Timothy, hold that, just the Injil, the message in the Revelation. You can say that it's not confirming Timothy. He didn't answer the question, so I'm going to repeat it. Mais il n'a pas traduit ce que j'ai dit. Okay. My question. Since the Quran says, ça je dis, faut qu'il traduise. This book confirms. Ça que ce soit une phrase à la fois, comme ça je peux traduire. Vas-y. Okay, vas-y. Alors on commence. Ça c'est important. Voilà. Sorry to translate. Okay, one need time for translation, please. Okay. Yeah. Voilà. Le Coran parle de Kitab. Okay. The Quran speaks of Kitab. Ça parle des révélations qui ont été faites auparavant. It speaks of revelations that came before. Ça ne parle pas de la Bible. Not of the Bible. C'est pour ça que le Coran dit que Allah il a révélé la Torah, l'Évangile et le Zabur. That Allah revealed the Torah, the Injil, and the Zabur. No, I know these points already, so we're going to... Bon, ce qui est... Je termine. Okay, juste une question. Voilà. Donc, le Coran ne parle pas d'autres livres, comme par exemple, comme j'ai cité, les livres après les Évangiles. Par exemple, le Coran ne parle pas des épîtres de Paul, de l'Apocalypse. Voilà. Donc, le Coran ne parle absolument pas ça. Revelations and the letters of Paul and things of that nature. So, did he make this point? That's his point. Okay. So actually, he's wrong again, because the same Quran tells him that Allah sent many messengers who are not mentioned in this Quran. That's Surah An-Nisa 4:163. Can you turn there? So again, he's mistaken. Traduit, Alex. On est très bien. Traduction. Il dit qu'il n'est pas d'accord, puisque le Coran dit lui-même qu'il a envoyé d'autres messagers qui ne So he agrees. So, okay, so now... Four. Go to 4:163 of the Quran. You have that Quran up. Surah An-Nisa 163:164. So I'm going to try to make my point clear so we can go to the next step and not argue what the Quran says about the Bible. Good. Because we're going to be here all night. 4:163:164. Okay. Donc, 4:163:164. Chapitre 4, la sourate 4, verset 163-164, qui dit « Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac. » À Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Nous avons donné le Zabour à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Ah, okay. Et Allah, effectivement,
Et Allah a effectivement parlé à Moïse. Okay, now, so you can get the point. Here his own Quran says, there are many messengers who were sent, not mentioned by name. Okay, plusieurs messagers qui ne sont pas, qui sont pas mentionnés dans le Coran. So now when we add to that, that the Quran says to the Jews and Christians. Et quand, en plus de ça, lorsqu'on rajoute que le Coran parle aux Juifs et aux Chrétiens. This Quran confirms what you have now. Ce Coran confirme ce que vous avez en vos possessions. Mm-hmm. What they had now was the letters of Paul. So if Muhammad doesn't say, I confirm. Ce que eux avaient, c'était les lettres de Paul avec eux. I confirm only those books, but not the letters of Paul. Il if he dit, doesn't say je that, je confirme ce que vous, l'évangile n'est pas les lettres de Paul. That means the assumption from these verses is he confirms whatever they have. Et c'est de ce verset, il confirme tout ce qu'ils avaient en leur possession. Ça c'est absolument faux. Mm-hmm. Okay, so it's not true. Pourquoi? Okay, say pourquoi? Show me now. Show oui, me the Quran where it rejects any of the books of the Christians okay. at the time. Montre-lui. Montre-lui. Très simple, très simple. La sourate 61. Okay. Tu vois, au verset 61. 6 par exemple. Okay. Sourate 61. Issa, 61. Jésus, okay. paix sur lui. 6, hein, ouais. Jésus, paix sur lui, annonce Mohammed. Donc il n'y a pas de prophète ou de message entre le prophète et Jésus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a été fait auparavant... Attends, il le traduit. Il faut s'il te plaît. Vas-y, recommence. Jésus annonce Mohammed. Jésus annonce Mohammed. Nous savons, we know, en islam, selon nos sources, qu'il n'y a pas de messager entre Jésus no et Mohammed. Messages between Jesus and Mohammed. Donc les livres que vous avez eus entre-temps ne sont absolument pas reconnus par le Coran. So the other books, you know, that came after... Say number one, where does it say there are no messages between Jesus and Muhammad in the Quran? Où est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit exactement ça, qu'il n'y a pas de messager entre Jésus et le Coran? En fait, c'est pas dans le Coran, en fait, c'est dans notre tradition à nous, dans notre façon en fait, de comprendre la chose. C'est ce qu'on appelle la période de Fatra, en fait, la période entre Jésus et Muhammad. Well, so I'll get to the traditions in a minute, I'll prove my point. But first of all, does he admit there's nothing in the Quran that says there are no messages between Jesus and Muhammad? Il est d'accord que dans le Coran, il n'y a pas, il y a rien qui dit que il n'y a pas de messager entre Jésus et Mohammed. Oui, mais c'est une tradition. On est d'accord. Non, c'est même pas ça. C'est que Jésus, regarde, Jean-Baptiste annonce Jésus. Jésus annonce Mohammed. Il n'y a rien entre eux. The Baptist announces Jesus. Jesus announces Mohammed. Yeah. That's not my question. My question is there anything in the Quran that says there are no messengers between no, Jesus and Muhammad? No, he said no. Secondly, it's just tradition. Yeah, okay. It's not I'll get to that. I know the tradition. Okay. The tradition it's is going to prove my point. I'm going to get to the tradition. So, now remember, he appealed to tradition. Mm-hmm. Yeah. The same tradition is going to prove my point because now I'm going to appeal to tradition. According to Ibn Kathir, on his tafsir on chapter 36 of the Quran, from ayat 13 okay. all the way down. Surah 36, verses. Okay, 13 all the way down to 37. Jusqu'à 37. Yeah. Okay, so because he appealed to tradition. I want you to hear he appealed to tradition. Ibn Kathir says the three messengers mentioned in that story. Ibn Kathir dit que les trois messagers qui dans ce verset coranique. Okay, according to many of the Salaf. Que les salafs sont d'accord. Was Simon Peter, Pierre, Simon, John, and Paul, et Paul, which in Arabic is Buddhist. Buddhist. Yeah, both and he says that this is Buddhist, not yeah. Buddhist. Oh, sorry, it's Pierre. This is according to the tradition he appealed to, ça, according to many of the Salaf. And les he salaf. Knows who the Salaf are, right? Okay. So the tradition he's appealing to proves that Paul was one of the messengers donc, la that Jesus sent. Prouve que Paul était un des messagers. So does he want to stay with the Quran or does he want to go to his tradition? Ou alors on va sur le Coran ou on va sur la tradition. Bah déjà, en fait, sur la tradition, ça va être très simple. En fait, il fait en fait ce qu'on appelle une falsification. En fait, déjà, c'est pas les salafs qui rapportent ça. Okay, so it's not true. It's not the salaf who tells. No, Ibn Kathir does say that. If you want, si je connais pas Ibn Kathir par cœur. Okay, he knows Ibn Kathir by heart. Yeah. Ibn Kathir says it in his commentary on Surah 36. Si tu vas sur le commentaire de Ibn Kathir sur ce verset, il le dit. Je peux répondre. Bien sûr. Okay, Ibn Kathir, il cite Qatada. Okay. He cites Qatada. Et il dit qu'il a eu, il a prétendu. Regarde, Ibn Kathir dit que Qatada a prétendu. He said that Qatada pretended. Voilà, c'est ce que dit Ibn Kathir. So one of the Salaf pretended?
C'est un des salafs. Oui, justement. Prétendu. Oui, exactement. C'est une prétention. En fait, c'est une phrase, un avis à lui. D'accord. It was just an opinion. Sauf que ce même Ibn Kathir, il a d'autres livres. Ok, Ibn Kathir has other books. Ok, dans Qissas al-Anbiya, dans son livre Histoire des prophètes, il va citer la même tradition. He's going to cite the same tradition. Sauf qu'il va nous donner, bien sûr, la chaîne de transmission. Okay, but he's going to give a chain of transmission. Et à l'intérieur de la chaîne de transmission, and inside that chain, il y a un homme qui s'appelle Shu'aib al-Jubai. Qui est matrouk al-hadith, il est rejeté dans le sens du hadith. Okay. Et c'est pour ce, voilà, et c'est pour cela qu'Ibn Kathir va juste ajouter derrière. C'est un avis très faible. Da'ifun jiddan. C'est un avis très faible. It's an opinion, it's a weak opinion. Non, très faible, c'est même pas une weak, c'est rejeté chez nous. Very weak. Non, non. Donc il utilise notre tradition sans la connaître. So, you bring tradition with us. Number one. They both know that da'if doesn't mean it's fabricated. Weak means it still passes. Da'if jiddan. Okay, jiddan. Okay, very weak. But that's secondly, that's according to one opinion that is very weak. Qatada is saying that many of the salafs said that this is what they believe. Okay. So you're pitting your own scholars against each other. Please, translate in French. Say again, but short. Okay, yeah, please. So they're saying very weak. That's the opinion of one. C'est l'opinion d'un. Okay. Qatada was not saying this is his opinion. He says this was the view of many of the salaf. Qatada n'a pas dit que c'est son opinion à lui, que c'est l'opinion de Qatada. Secondly, all they're showing is that their Muslim scholars are confused and they're arguing with each other. Translate, please. Muslim scholars are arguing in between each other. You want to translate for them? Yeah. Les savants ont argumenté à travers eux. Okay. So this is why I said, let's go back to the Quran, don't appeal to your traditions, because it's not going to help c'est you. C'est pour ça qu'on ne devrait pas regarder aux traditions, parce que justement les traditions ne sont pas aussi fortes que le Coran. So now let's get back to the Quran. Maintenant, on revient au Coran. What is the book that was in the hands of the Christians and Jews at the time of Muhammad? Question, let's c'est get cut to the chase, let's get so you don't stay here all night. Dans les mains des chrétiens et des juifs à l'époque de Muhammad. Ok, sauf que moi je vais revenir, parce qu'on ne peut pas lancer des missiles comme ça et s'en aller après. Ça marche pas. Okay. Il utilise notre tradition, on lui prouve que selon tous nos savants textualistes, parce qu'à chaque fois ils confondent exégète et textualiste. Justement, s'il te plaît. I have to go back to tradition, he says, because, you know, because it's a weak tradition and you're using a weak tradition. No, actually, not using a weak tradition, because Qatada wasn't the only one that said that the three messengers, were the apostles of Jesus. He wasn't the only one. Les trois messagers étaient messagers. In fact, can he show me that it wasn't the view of many of the commentators calling on earlier tradition? Okay. Translate. Est-ce que tu peux le montrer d'autres traditions? Yeah. Other traditions? No, can he show me? Est-ce que je peux montrer d'autres commentateurs? That many of the scholars quoted earlier traditions that said that the three messengers in 36 were the apostles of Christ. Est-ce que tu peux lui montrer d'autres traditions qui démontrent que ces trois messagers more than ne sont pas les trois messagers? C'est pas ce qu'il a dit. En fait, il a dit, est-ce que, en gros, je vais nier qu'il y a d'autres commentateurs qui ont utilisé cette tradition pour dire qu'en fait, c'était les trois messagers? Cours, s'il te plaît. Non, c'est ce qu'il vient de dire, en fait. Okay. J'ai juste mieux traduit la chose. En fait, c'est pas comme ça. Il faut qu'ils connaissent nos sources, ils les connaissent pas. Okay, you have to know their sources, you don't know their sources. On a les textualistes. Yeah. Dis-lui, on a les textualistes. Scholars, non, textualistes, textual critics. Voilà. Et on a les exégètes. Exégètes. Comme vous avez vous. Yeah. Like we do. Comme les exégètes de chez vous vont chez les textualistes pour avoir la bonne lecture. Textual critics in focus. Okay. Et bien chez nous, les exégètes citent, with us, ce sont des compilateurs, ils citent toutes les traditions. They cite all the traditions. Et les textualistes passent derrière et disent, stop, ça c'est pas bon. And the textual critics go behind and say, no, stop, that's not good. Il a cité une tradition qui chez nous est considéré comme rejeté. Pas d'aïf, je rejeté. Use a tradition for them that has been already rejected. Et il a utilisé Ibn Kathir en disant, c'est Ibn Kathir. Mais le même Ibn Kathir te dit, c'est faux ce texte. Il dit une chose et se contredit. Non, Ibn Kathir. Il la cite, d'accord, mais il te dit, c'est pas bon. Okay, d'accord. Ibn Kathir, c'est juste un compilateur. It, but then he rejects it himself. No, no, that's. Can I correct him now? No, he is giving you misinformation. Okay. Tell him, translate. You're giving misinformation. C'est pas vrai ce que tu as dit.
He did not reject the fact il n'a pas rejeté, il n'a pas rejeté le fait que les apôtres that those were the apostles of que ces trois étaient les apôtres de Jésus. What he rejected ce qu'il a rejeté, that this event took place in Syria, cet événement était en Syrie. Because Ibn Kathir says that that town where the apostles went, parce que Ibn Kathir dit que la ville où ils étaient, were destroyed, a été détruite. But Syria wasn't destroyed. Mais but let me make a point now. Let me make a point. But now you're conveniently trying to get off topic of Muhammad to go to your traditions. Translate. Que tu t'es parti du Coran aux traditions. Yeah. We're not going to play that game. We're going to go back to the prophet of Muhammad. Ce qu'on veut faire, c'est repartir sur Muhammad. Okay. But before, let me make a point. He is incorrect again because Tabari, Qurtubi, Al-Suyuti, okay, good. All of them said these were the messengers of Jesus. Cela était des messagers de Jésus. And none of them said that we rejected. Qu'on les rejette. So don't appeal to your textual. I studied it. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et maintenant, on va. Non, on ne peut pas faire comme ça. Tu peux pas en fait citer. Il ne peut pas citer tout et n'importe quoi. Ça n'existe pas en fait. Nous, on n'est pas comme ça avec votre texte. C'est qui Tabari? Dis-lui, c'est qui Tabari? Who's Tabari? Tabari. Your textual critic that you've been referring to. He's a commentator, scholar, historian. That's what Tabari is. Savant et critique. Mais c'est pas un textualiste. Critique textualiste. Non, c'est pas un texte. C'est pas un mot additionnel. Is not a textual critic. Absolument so pas. Can you name your textual critics for me? So qui sont tes critiques textuels? Il y en a des milliers, des milliers. Par exemple, il y a plein. N'importe qui, je sais pas moi, Tahar al-Qutni, Ibn Hajar, des noms que nous on connaît. Abu Hatim al-Bukhari, Muslim. So they're not. He's talking about muhaddith, hadith scholars, right? Okay, so they're not textual critics. He's using the wrong terminology. Ils sont pas des critiques textuels. Okay. Let me come back and correct them again. For someone to to be considered a recognized scholar, pour quelqu'un soit reconnu comme un vrai et savant, on the Quran interpretation, sur l'interprétation du Coran, he has to be able to sift between sound hadith and weak hadith. Tabari is more of a hadith scholar than he'll ever be. Le Tabari est un plus grand savant que tu ne seras jamais. Qurtubi will be more of a hadith scholar than he'll ever be. Plus grand savant que nous, que toi. All the people I mentioned know the hadith science better than he does. Ils connaissent mieux la science des hadiths que toi tu les connais. Because they cannot be recognized as scholars of Quranic interpretation. Ils ne peuvent pas être des savants de l'interprétation du Coran. If they cannot sift between sound, weak, and fabricated hadiths. S'ils ne connaissent pas la différence entre des traditions fortes et faibles. In fact, when someone wants to translate the Quran, quand quelqu'un traduit le Coran, do they not have to consult Qurtubi? Ils sont Qurtubi. Ils doivent. Tabari. Ils doivent regarder Tabari. Ibn Kathir, Al-Jalani, Zamakhshari, Baydawi. Why? If these guys are not scholars of the hadith. Ils ne sont pas des vrais savants des hadiths. Je vais revenir sur ce point parce qu'en fait, c'est absolument faux. En fait, ils donnent une définition qui en islam n'existe pas. You give a definition that's not in Islam. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. En fait, ils confondent les savants exégètes. You're confusing the exégètes. No, I didn't. Et les muhaddithin. And the muhaddithin. Les muhaddith, les savants du hadith, ça n'existe pas. Regarde, dis-lui qu'il me donne un savant qui a dit ce qu'il a dit. He wants you to give him one. Say number one, you again misrepresented me as you did in the debate. Translate. Tu as misrepresenté, malheureusement présenté ce qu'il a dit. I made it clear. Yeah. These were scholars of Quranic interpretation. C'est savants de l'interprétation coranique. You both heard me say that, right? Yeah. So again, he's misrepresenting me, which is fine. Okay. But I want him to answer. Can you be considered a scholar of interpreting the Quran? Est-ce que tu peux être considéré un savant du Coran? If you cannot sift between sound, weak, and false narrations. Bien sûr, c'est les exégètes. Les exégètes, c'est pas leur travail. So they do it. Non, c'est pas leur travail. Exégètes, they're not pre. C'est faux, ça n'existe pas. No, when a Tabari wants to comment an ayah. Quand Tabari veut commenter sur does he not have to consult the hadith to see qu'il ne doit pas consulter d'abord les hadiths? How Muhammad and his companions understood the ayah. Comment Muhammad et ses compagnons ont compris le verset? Would he then be considered
scholar of Quranic interpretation. Est-ce qu'il serait yes. considéré un savant du If he simply quotes any hadith, no matter how weak. Yes. Si il Or would he be rejected? N'importe quel yes. hadith sans connaître la véracité. It's true. Ce sont des compilateurs. Compilateurs. Ce sont pas des muhaddithin. Mais oui, mais c'est pas. En fait, le problème c'est qu'en fait, on va clôturer ce point. Okay. C'est bien de clôturer. Vous avez le droit de ne pas être d'accord là-dessus. Sur ce point-là. Yeah. Okay. Je vais résumer. Il y a une chose qui ne se passe pas chez nous. Vas-y, Moussa. En cours. Je résume. Karim, vous avez le droit. Clôturer ce point. C'est faux. Nous, dans l'islam, tu traduis. In Islam. Le mot savant pour nous est un terme général. The world scholar is a general term. Okay. Dans ce mot général, in that general il y a des word, branches. There are some branches. Parmi les branches, il y a ce qu'on appelle les exégètes. Le terme en arabe, il le connaît, il y a ce qu'on appelle aussi une branche qu'on appelle les muhaddithin. C'est ceux qui étudient la science du hadith. Dans l'islam, ils sont bien séparés. Voilà, il n'y a pas de mélange. Ils ne peuvent pas connaître tout en même temps. Ça, c'est la deuxième branche. On les traduit en même temps. C'est bon, la deuxième. Dans la branche. Ensuite, certains savants. Certain scholars. Sont les deux en même temps. Pas tous. Not all of them. Ensuite, dans la branche des muhaddithin. In the branch of muhaddithin. Il y a encore deux sous-branches. Yeah, two sub-branches. Il y a la branche qui ce qu'on appelle. Authentifie les hadiths. Those that authenticates the hadith. Yes. Et il y a une branche qui les rapporte sans les authentifier. And one that just speaks of them, brings them about, but does not authenticate. Et dans cette branche-là, dans leurs livres, ils ont rapporté tous les hadiths qui soient authentiques ou non. Exactement. Okay. Okay. Ils ont rapporté tous les livres. They brought all of the hadiths, whether they believe in them or not. Vrai et faux. Vrai et faux. Okay. Ensuite, le savant qui cherche à découvrir les enseignements véridiques. Okay. The one who really wants to find out about the truth of the hadith. Fait le tri dans les hadiths entre les authentiques. They have to look and separate the weak ones from the authentic ones. Yes. Okay. Donc, can we, for the sake of time, can tell my brothers humanity. I thank them for the lesson. I already know this. Okay, merci pour la leçon. Ils connaissaient déjà ça. Because our time is fleeting. Parce que on n'a pas beaucoup de temps. We're getting off the issue. Okay. Let me repeat what I said one more time. Okay. Et après on revient sur Mohammed. I am aware that hadith scholars are different from those who interpret the Quran. Et il sait bien que les interpréteurs du hadith sont différents des savants du Coran. What these gentlemen did not answer, and I'm going to repeat it again. Ce que vous n'avez pas répondu. The greatest commentators on the Quran, le plus grand commentateur dans le Coran, according to the Sunni, pour les Sunnis, not me, pas lui, Al-Qurtubi, Tabari, Jalalain, Ibn Kathir, c'est les plus grands, Ibn Kathir, these are just the four. Ce sont les quatre. Okay. No one would consider any of them great good. If they were not able to sift. Personne, the sound narration from a weak person n'aurait considéré ces quatre comme les plus grands si il n'avait pas, non, bon, il n'avait pas une expertise sur les hadiths. Sur les hadiths. It's absolutely true. Can I make my point? Coming back to the issue, the same commentators I'm referring to, when they narrate narrations, they will then say what their opinion is, that this one is the most authentic based on these hadiths that we've compiled. That's in their sources. They know it better than me. So why are they playing this game? Vous connaissez les sources mieux que lui. Et quand il parle de versets coraniques, ils savent très bien les sources des hadiths. Et ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Please stop misrepresenting my position. Ok, ne représente pas. And the lesson I appreciate. I already know what they believe. Can we get back to Muhammad confirming the Bible? Okay. Maintenant, on va aller. We wasted 15 minutes. Vous avez le droit. Okay. Attends. On y retourne, Alex. Okay. D'abord, on doit lui répondre sur ce qu'il vient de dire. Parce que là, en fait, il a résumé. Okay. Tu vois, tu vas résumer. Dis-lui, tu vas résumer. He wants also to summarize. Okay. Ça sera ta dernière intervention. Et on passe au contrat suivant, s'il te plaît. Okay. Il a cité un texte. Qui chez nous est rejeté. One text in his tradition that is rejected. Il a cité Ibn Kathir. Comme preuve.
ce même Ibn Kathir te dit il est faux le texte. And Ibn Kathir himself donc il se contredit celui-là. Mais non, il rapporte l'information pour ensuite te dire c'est faux. He's okay. He's bringing information, so he's saying that's false. So he's bringing it, and so he can say ce sont, oui, alors tu peux me citer Qurtubi, tu peux me citer Tabari, tu peux me citer tous les savants. Ouais. Ce sont des exégètes. Okay. Ils ramènent le matériel. They're not, they're exégètes. They're alors not, qui s'est trompé, Karim? Les gens ramènent des trucs et c'est faux. Il faut vérifier. Mais oui, bien sûr. Ok. Non mais je pose la question sur les gens. They're bringing it. They're bringing stuff. That's false. Et les savants, mais ça se voit qu'ils ne connaissent pas l'islam. En fait, même les bases, ça, un élève de première année chez nous, en exégèse, connaît ça facilement. Ok, a student of first year will know what he's saying. But let's move on. Let's move on to Muhammad in the Bible to disprove him in the Bible. So, okay, now coming back to the issue, what were the books which you, and by the way, for the record, why did I go through the tradition? Because he did, right? Et la raison pour, qu'il est, la, pour laquelle il est parti dans la tradition, c'est parce que toi-même es parti dans la tradition. Donc, Now you saw that they selectively choose the traditions they like, and the ones that make them look bad, oh, it's weak. Et ce qu'il dit, c'est que, et c'est mon expérience également à Karim, dans mon débat, c'est que quand une tradition ne vous plaît pas, vous la rejetez. C'est pas nous, c'est pas moi, c'est Ibn Kathir, toi t'as cité. Ibn Kathir, que tu as cité. Ibn Kathir, I'm going to repeat it again, he misrepresented Ibn Kathir. No. Let me repeat again what Ibn Kathir rejected. He did not reject... Ibn Kathir a rejeté, encore une fois... That the messengers were the disciples of Jesus. Il n'a pas rejeté ce que les messagers étaient. What he rejected, il a rejeté, good. What he rejected was the story that said that it was the Syria they went to because the town they went to was destroyed and Syria was never destroyed. La ville où ils étaient, ce qui rejette, ce n'est pas les trois apôtres, c'est la ville en Syrie. En fait, fais un effort, ça. Okay. Fais un effort. Dis-lui, fais un effort. Make an effort. The same. Yes. Ce que tu dis est faux. Ça n'existe pas. What do you say? En fait, ça n'existe pas. Ok, on ne sera pas d'accord. Mais non, c'est pas d'accord. C'est là que tu cites nos sources et tu dis n'importe quoi. Eh bien, on n'est pas d'accord. Ceux qui regardent font leur recherche. Oui, et s'ils pensent que Ibn Kathir montre, moi, si j'étais Ibn Kathir, et que j'apporterai ce texte, je le détruirai. Je le détruirai. Non, chez nous, ça n'existe pas. Je ne détruis pas les choses. Si vous, Non. I said, I would have destroyed. I said, I, as Ibn Kathir, if it were weak, I would have destroyed it. Like many hadiths were destroyed. Il l'a détruit. Mais si c'est faux, on détruit. Alex, he said, we never destroy anything. Alex, so that's Alex, never, Alex, for another Alex, time. Alex. Ok, vas-y, Karim. Okay. Ouais, parce qu'on va passer. Ça fait longtemps qu'on est dessus. Vous avez cité une tradition qui est fausse, qui est rejetée par le même auteur que vous avez cité. Ça s'arrête là. Vous ne connaissez pas nos sources, il ne faut pas y rentrer. Très bien. Karim, un grand merci. Alex, on est en direct en tout cas sur la thématique « Mohammed est-il le prophète de Dieu ?» Effectivement, la question que tu as posée au départ, c'est effectivement, donc les musulmans reconnaissent tous les prophètes, même Jésus, mais c'est vrai qu'effectivement les chrétiens ne reconnaissent pas Mohammed. Ouais. Pourquoi vous ne reconnaissez pas Mohammed? So why the question now to us is why do we not recognize Muhammad? Well, we spent 20 minutes on irrelevant issues. Let's come back to the issue again. What was the book in the hands of the Jews and Christians at Mom's time? I hope we don't spend another 20 minutes making this one. Because then we're wasting our time if we don't answer questions. Il veut savoir quel était le livre dans les mains des chrétiens et des juifs à l'époque de Mohammed. Il fait un parallèle entre le terme arabe et le terme latin. Ça n'a rien à voir. He said you're having a false parallel between the Arabic term of the book and the Latin. Mais il pose la question s'il y avait un livre. Notice he didn't answer my question. Notice he didn't answer my question. Révélation. Il comprend pas ça. Okay. Notice he didn't answer my question. I didn't say whether the kitab is the Bible in the question. I said, What was with them? That's what we're asking. Qu'est-ce qui était avec eux? What did they have in the time of Muhammad? Il a pas compris. Il n'y a pas de contradiction Dis-nous ce qui était dans les mains. Il vous demande ce qui était dans les mains des chrétiens et des juifs à l'époque. Si on considère que ça c'est la Torah, les cinq premiers livres, que le milieu, les quatre évangiles. So this one was with them? Except the letters of Paul. No, okay, so listen. Dis-lui que je donne un exemple imagé pour qu'ils comprennent. Yeah. What is that? He's giving you an example so you understand. Okay. Le fait d'avoir
trois parties de ce livre-là. The fact that there are three parts of the book. Yeah. Ça ne contredit pas le fait d'avoir ce livre-là dans son entier. Does not contradict the fact that it's the whole book. Le fait que moi, dans ma main, j'apporte la Bible, okay. ça signifie que dans cette Bible, j'ai la Torah, j'ai quatre évangiles. Et il y a les Bibles. Donc, pour toi, les chrétiens de l'époque, the Christians of the time, ils avaient la Torah, l'évangile et les psaumes, c'est ça? Bah oui, mais dans leur Bible. Dans leur Bible. Bah oui, okay. So they agreed that they had those three things. Okay, so they had it. Ils avaient ça dans leur main. Oui. Okay. It was there. C'était là. Okay. So now, the Torah they had at that time. La Torah qu'ils avaient à l'époque. The Psalms they had at that time. And the Gospel of them. Do they agree with what we have now? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ce qu'on a aujourd'hui? We don't spend another 20 minutes on this. Ils ne sont pas bougés là. Okay. No, they're the same. They're the same? Oh, okay. Enfin, ils sont d'accord. Alhamdulillah. Okay. So they agree, Ram? Oui. Okay. Yes. So we finally got to the point. Sorry. Are you sure? Yeah. Since they said, now here's my question to the gentleman. Now everyone heard. Okay. Now everyone heard. They had the Torah. Et tout le monde a entendu que les Juifs et les chrétiens de l'époque avaient la Torah, l'Évangile et les psaumes. Yeah. De gospel, right? Qu'on a aujourd'hui. Right. Good. And we have it now, right? Et qu'on a aujourd'hui. Good. So thank you for admitting the four good. Gospels is the gospel of Jesus merci. Christ. Merci d'avoir avoué que good. Les quatre évangiles de Jésus sont. Attention, on n'a pas dit ça. You just admitted. Ah, non, on a dit ils ont l'évangile. The gospel, not the four gospels. What gospel did they have at the time of Muhammad? Quel évangile avait-il? On a compris. C'est point d'évangile. You just pointed here. T'as dit qu'ils avaient la même chose qu'on a aujourd'hui. Alex. En fait, son point est faux. Oh, je l'ai compris depuis. Vous n'avez pas Matthieu, Marc. Je le suis depuis des années. Je répète ce point depuis mille ans. Okay, dis-lui. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la révélation de Jésus entre les mains. Là, non, mais l'évangile de Jésus est compris dans les quatre évangiles. Mais le Coran ne parle pas des quatre évangiles. The gospel is in the gospel that they had. But it's not the did Muhammad say to them? I confirm what's with you. Mohammed leur a dit, je confirme ce que vous avez. Or did he say, I only confirm? Ou il dit, je confirme simplement. Parts of what's in your gospels. Une partie de ce que vous avez avec vous et une partie de votre évangile. We need to read the verses again. Non, vous n'avez pas besoin. Mais en fait, il dit simplement que vous avez, comme il a dit le frère tout à l'heure, vous avez avec vous, okay. La Torah de Moïse. L'évangile de Jésus you compris Torah. Dans votre texte. Moi, je veux comprendre parce que ceux qui nous regardent, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, donc, ok, ils alors, ont la alors, alors ce que ça aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'ils avaient spécifiquement dans leurs mains. Spécifiquement. On va faire simple. Oui, les chrétiens, en fait, de l'époque, bon, on va pas dire celle-là parce qu'ils avaient une Bible avec plus de. Là, tu es en train de faire de la pub. Ok, très bien. Ils avaient un texte que eux appelaient la Bible. They had a text called the Bible. Okay. Le Coran ne parle pas de ça. The Quran does not speak of the Bible. Okay. Attends. Okay. On est d'accord. Le Coran dit que, en gros, en fait, il confirme ce qu'ils ont avec eux. Mais they quoi? It confirms what they have with them. Ils ont quoi? Ce que le Coran spécifie. Whatever Quran. La Torah de Moïse. L'Évangile de Jésus. Attends. La Torah de Moïse. Genèse, Exode, la Torah de Moïse. Les cinq premiers livres. La Torah de Moïse. La Torah de Moïse. Ok. Je parle pas de moi, je ne dis pas des mots. Je dis la Torah de Moïse, le Coran. Et l'évangile, ils ont quoi? Ils ont Matthieu, ils ont Luc, ils ont Marc. En fait, c'est l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus. Mais il est bon leur pour vous. Ok. Ça ok. D'accord. Toutes les paroles soulignées en rouge dans l'évangile. Pas toutes, parce qu'il y en a qui ne sont pas bonnes. Ok, donc Karim et les musulmans, six siècles plus tard, sont beaucoup plus forts exégètes sur la Bible. Que pendant six siècles de chrétiens. Can I ask a question? Qu'est-ce que les chrétiens et les juifs their scriptures in Arabic? Would they call it Bible? Appellent leurs écritures en arabe? Attends, mais que les chrétiens appellent en arabe Kitab al-Muqaddas. Holy Bible. Kitab in English means what? En anglais, ça veut dire en français. How do you translate Kitab? Livre. It's what? Book, right? Okay. Go to Surah Al-Baqarah 113. He just admitted okay. They wouldn't call it Bible, right? They would call it Kitab, right? Chapter 2, verse 113. I want everyone here again. He said, at the time of Muhammad, the Arabic-speaking Jews and Christians, okay. Translate, at the time of Muhammad, temps de Muhammad, the Arabic-speaking Jews and Christians, les Juifs
qui parlait en arabe de l'époque, would call their scriptures appeler leurs écritures kitab, right? Kitab. Okay. Kitab, yes. Now, kitab, chapter 2, verse 113 of the Quran, what were they reading? Et maintenant, on va lire le chapitre, le surat 2, verset 113, qui dit, 2, 113, chapter 2, verse 113, qui nous dit, watch here. Écoutez, et les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. Okay, in Arabic, it says, and they both read the kitab, the book, which he just livre, said. Kitab. That's what, yeah, it just said it here, it's stuck for me. Okay. Can you read 2.1.13? Can you read one more time? Non, les juifs ne tiennent rien, alors qu'ils lisent le livre. Le livre. Le livre. El kitab. Kitab. El kitab. Didn't he say that what the Jews and Christians would have called the Bible at that time is kitab? Les Juifs et les chrétiens de l'époque auraient appelé leur livre it's not separate. Le kitab. So why does he keep telling me the Quran doesn't confirm the Bible? Pourquoi tu dis que le Coran ne confirme pas la Bible? When the word for Bible at the time quand le mot pour la Bible is kitab, and the Quran says that's what they have is the kitab. Que c'est ce qu'ils ont avec eux, today. Le kitab. Il fait du forcing. Le forcing. En fait, le Coran ne parle pas de ça. En fait, quand il dit, le Coran dit que les juifs et les chrétiens lisent la révélation, c'est qu'ils lisent la révélation, ils ont avec eux la Torah, les Torah. Why doesn't it say they're reading the Wahi? Why says kitab, something physical? Non, attends, le Coran, El Kitab, ça signifie la révélation, ça signifie... It means revelation, it means many things. Mais pour toi, mais pour d'autres exégèses, Mais quand quelqu'un lit le Coran tout simplement, parce que le Coran est simple, oui, il est la révélation pour l'humanité entière. Quand quelqu'un dit le kitab, et 6 siècles plus tard, la Bible était déjà dans les mains comme on l'a aujourd'hui. Elle n'a pas été transcrite. Et si elle a été changée, elle a été changée au 1er siècle, au 2e siècle, mais pas au 6e siècle. Ils avaient déjà la Bible qu'on a aujourd'hui dans les mains, dans leurs mains. Comme pour le point précédent, ça n'existe pas la définition que vous nous donnez en islam. C'est-à-dire qu'en fait, vous inventez des mots, vous nous dites... Al-Kitab dans le Coran, c'est la Bible. Jamais en islam, ça n'existe pas. By the way, just for the record, I want you to translate again here. Did we say that they would have called it Kitab, or he said they would have called it Kitab? Qui a dit qu'ils auraient appelé ça Kitab? C'est toi qui as dit ça. Mais c'est normal, parce qu'en fait, c'est comme ça que... Okay, so, how are we inventing words when he admit that's what they... On n'a pas inventé de mots, c'est pas nous qui forçons quoi que ce soit. Non. Parce qu'on utilise le mot que toi, que le Coran, et que toi, on utilise. Non, attends, c'est un faux raisonnement. Oui, il faut le Bible. Il faut le Bible, c'est vrai. Ok. But let's prove, let's prove the Coran. Il n'a rien à voir avec le Coran. Let's prove from the Bible. Since at least they admit that the Torah is the Torah, right? Okay, they don't accept the gospel. D'accord que le Torah, la Torah est la Torah, et que l'Évangile est l'Évangile, que ce soit, Okay, we heard it because I want to make sure. Because now I'm going to quote the Torah. So if they say no, that's not the Torah. Maintenant, on va lire la Torah. Et pour montrer que question. Est-ce que la Torah est dans la révélation, dans ce qu'a dit Mohammed? Torah, Zabur ou l'Injil. Oui, mais en fait, la Torah et l'Évangile, c'est ça qui est c'est des messages donnés aux messagers. D'accord. En fait, vous nous parlez de ce que Matthieu, Marc, Luc, Jean ont rapporté. Nous, on vous dit, Allah, il te parle de l'Évangile donné à Jésus. Ok, alors la Torah, maintenant, you choose the Torah? No, yeah, because he said Torah, because he said, yeah, okay, that Torah is the Torah. Okay, so because la Torah, la Torah est la parole de Dieu, la Torah, elle a été révélée. Comment il a révélé comme Torah à Moussa? Voilà. C'est la parole de Dieu. Ok, attention, Alex, tu peux traduire, s'il te plaît? Ouais. T'as dit Karim, pour moi, c'est vraiment important. Okay. La nuance, c'est quoi? Ok. Please. Dieu a révélé à Moïse et la Torah. Revealed to Moses is the Torah. Ok. Ok. One second before you go on. He said the Torah revealed to Moses is the Torah? Said yes. Yes. Okay. He said yes. Can he show me a verse in the Quran where it says the Torah was given to Moses? Est-ce que tu peux me montrer un verset dans le Coran qui dit point. Que la Torah a été révélée à Moïse? En fait, je connais son argument. En fait, c'est un argument qui est fallacieux parce que tout le monde sait que la Torah a été donnée à Moïse et que dans le Coran... Tout le monde ne sait pas, connue. Les juifs, les chrétiens savaient cela. Le Coran vient juste dire qu'on a révélé la Torah
au peuple d'Israël, et on sait très bien que Israël a reçu la Torah par Moïse. We know, we know. He says we know that Moïse has been revealed. Everybody knew every time. Good. He just admit. Yeah. I want you to hear it. He can't show in the Quran that the Torah is given to Moses. Il peut pas démontrer dans le Coran que la Torah a été donnée à Moïse. So he appealed to the knowledge of the people at the time. Donc, ce qu'il fait, c'est d'aller en dehors du Coran aux connaissances des gens de l'époque. You guys heard that, right? Because the people at the time. Les gens de l'époque. Had only these five books of the Old Testament ces cinq livres, as the books of Moses. Des livres de Moses. Right? You made that point now. Because when I quote this book, you can't tell me it's corrupt. Parce que quand il va dans ce livre, tu pourras dire que c'était corrompu. Because his knowledge of the Torah being given to Moses. Parce que tes connaissances que la Torah a été donnée à Moïse. Comes from the Jews at Muhammad's time. Vient des Juifs du temps de Mohammed. Yeah, so it's good because he can't show you an ayah where it says Torah was given to Moses. Parce qu'il y a pas un seul surat où il dit que la Torah a été révélée aux Juifs. Okay, so now the point is, here's this Torah shows Muhammad can't be a prophet. Et il va te montrer dans la Torah où il est prouvé que Muhammad n'est pas un prophète. Can we go into the evidence? Est-ce qu'on peut y aller? Allez, okay. Let's go. Surat al-Maida, chapter 5, verse 18 of the Quran. Chapter 5, 18. Soit 5:18. Very good. Okay. When you go to Surat al-Maida, chapter 5, verse 18, I want you to read for me what it says. Okay. When you go to read it out loud for me. 5:18. Yeah. 5:18. Qui dit? Rapidement. Excuse-moi, ok, 5:18 qui dit, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Dis, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à ceux qu'il veut, à qui il veut, et il châtie qui il veut. Et à Allah, seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ceux qui se trouvent entre les deux, et c'est vers lui qui sera la destination finale. Let me make the point of the verse so he sees where I'm going with this. Jews and Christians at the time of Muhammad. Les Juifs et les chrétiens à l'époque de Muhammad. Said we are the children of Allah. On dit nous sommes les enfants d'Allah. Fils d'Allah. Yeah, they didn't mean it sexually. Ils n'ont pas dit sexuellement. No. Because Jews and Christians knew. Parce que les chrétiens et les Juifs de l'époque savaient. That God is spirit. Que Dieu est esprit. And he doesn't have sex. Et qu'il n'a pas bien évidemment de relation sexuelle. So they were the spiritual children of God. Ils étaient des enfants spirituels d'Allah. Mm. Muhammad said no. Muhammad a dit non. Because according to the Quran. Parce que le Coran. Allah is a father to no one. Est père de personne. Not even in a spiritual sense. Même pas au niveau spirituel. Go to Exodus 4 if you don't mind. Exodus 4. If you can open it. 22-23. Exact. 4. One of you guys have to read it. Exodus 4. 4:22-23. Exodus 4:22-23. And then read it. And see, let's see if Mohammed agrees with the theology of Moses. Okay, verset 22-23. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel Israël, et mon fils bien-aimé, je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Okay, so here, and you're going to translate, God says, Israel is my firstborn son, right? Oui, Israël dit, tu es mon fils bien-aimé. Bien-aimé. Yeah, okay. So now go to Deuteronomy 14, verse 2. Deutéronome 14. 14, verse 1. Verset 1. Combien? Deutéronome 14, 1. Verse 1. Tu le connais, Karim, ou pas? Moi, j'ai pas de problème avec le texte. D'accord. Alors, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un décès. Okay. So, vous êtes les enfants de l'Éternel. God says that Dieu you dit, are the sons vous êtes les enfants of God. De Dieu. Okay. It's true. Go to Deuteronomy 32, verse 6. Deutéronome 32, quel verset? 32, verse 6. You're gonna be 6. 6. Okay. 32, verse 6. Il est écrit exactement, est-ce l'Éternel que vous en rendrez le responsable. Okay. Peuple fou et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton père, ton maître, n'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi? Verset 18. Et 18. Wow. Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Wow. Okay. Now, here's the thing. What?
The God of Moses, le Dieu de Moïse, is the spiritual father of Israel. Le père spirituel d'Israël. And they are his spiritual children. Et ils sont les enfants spirituels de Dieu. And he spiritually begat them. Et il les a procréés spirituellement. All of which Muhammad said is not true. Tout ce que Muhammad a dit n'est pas vrai. So then how can Muhammad confirm the Torah? Comment est-ce que Muhammad peut confirmer la Torah? When the Torah shows that Muhammad is wrong. Dit que Muhammad a tort. So how can he be a prophet? Comment est-ce qu'il peut être un prophète? That's the first point. C'est très simple. Maintenant, tu peux 5 minutes, vas-y. En fait, le verset qu'il a cité, la sourate 5, 18, encore une fois, il ne connaît pas les sources. Dis-lui. Ok, Surah 5:18, you don't know the source. Le texte te dit que en gros, les Juifs et les chrétiens ont une prétention. The text is saying that they're pretentious. Ils sont les fils de Dieu et ses préférés. They're the children of God and his favorite. Okay. They're his favorites. Ok, mais Dieu ne les a pas réprimandés pour avoir dit qu'ils sont les fils de Dieu. God did not reprimand them c'est le for fait being d'avoir the children. De croire qu'ils sont les, les élus. The last ones. Les élus. Okay. Le problème, c'est que nous, en islam, on n'a pas de problème avec le fait qu'un terme comme fils de Dieu a été employé dans les révélations auparavant, ou le terme que père a été utilisé auparavant. No problem with, okay. In the Quran, there's no problem with you know, the children. Son. Now he's again misleading us. Okay. The Surah Al-Maryam. Surah Al-Maryam. I knew he was going to say this. I knew you were going to answer this way. Yeah. I'm going to challenge him in front of the audience. Translate. Yes. I'm going to challenge him. Show me one verse in the Quran where it says Allah is the father of the believers, the father of Muslims, and they are his children. Un verset dans le Coran où il est dit qu'Allah est le père spirituel de qui que ce soit. Because according to your Quran, all you are is an abd, a slave. Parce que dans ton Coran, la seule chose que vous êtes, c'est des esclaves. Pas des fils de Dieu. Très facile à répondre. Yeah. Ok, very easy to answer. Show me the ayah. Montre-moi la sourate. Non, mais nous, on va dans la Bible, dans la sourate. Your father, toi, and you are his son. Montre-nous dans la Bible. Mais il n'y a pas ça dans le Coran. Pourquoi? It's not in the Coran. C'est très simple. Donc le Coran n'est pas très clair. Mais non, mais je vais laisser finir mon point, parce que quand il parle, ça fait une heure qu'il parle. Vas-y. Regarde. Si tu as parlé un peu, calme-toi. Regarde. Et on n'a pas de verset dans le Coran qui dit que Dieu, c'est le Père. Okay. D'accord? Mais ça n'empêche pas. That says that God is the Father. Mais ça n'empêche pas que dans les révélations passées, ce terme a été utilisé. But doesn't mean that in the past revelations it was used. Et pourquoi il n'y en a pas dans le Coran? And why is it not in the Quran? Parce que justement, à partir que, enfin, quand les chrétiens sont arrivés, when Christians have arrived, ils ont détourné le sens de fils et de père. They have corrupted the term. Donc, lorsque Dieu va révéler le dernier message, when God reveals the last message, on évite l'ambiguïté. We get rid of all ambiguity. Et comme ça, nous, on n'a jamais eu le problème de dire bah, que Dieu, c'est un père. Dans le sens chrétien et que en fait le fils est un fils et ben c'est un fils au sens chrétien. That way God okay. Donc on n'a pas de problème parce qu'il y a marqué ça dans la Torah ou dans l'Évangile. Okay. Is he ready for this one? Donc la réponse. Number one. Numéro un. Even at the time of Moses. Même au temps de Moïse. And the Christians. And the Christians. Et les chrétiens. The pagans. Les païens. Are you with me? Mm-hmm. I want him here. Also corrupted the meaning of fatherhood. Vas-y. Du temps, franchement pas. Des païens, et de, ils ont corrompu également le mot père. Mm-hmm. Hold on. We have to wait for the moderator. Yes, sorry. Okay, number one. Okay. I want to hear it. Merci. Even at the time of Moses and Jesus, the pagans corrupted the meaning même du temps of de, fatherhood. Même du temps des juifs et des païens. Ils avaient corrompu le mot père. Okay. Why didn't Moses and Jesus? Pourquoi est-ce que Moïse et Jésus? They were said, okay. Yeah. Avoid using that term. Pourquoi eux-mêmes ils ont pas évité de ce terme? When the Jews and Christians could have also misunderstood it like the pagans. Quand les chrétiens et les juifs eux-mêmes auraient pu le ne pas le comprendre comme les païens. Which leads me to the second point. Le deuxième point. You don't deny one of the essential characteristics of God. Translate. Vous ne rejetez pas une des caractéristiques principales d'Allah. Just because others may corrupt it. Simplement parce que les autres peuvent le corrompre. What you do is. Ce que tu fais. Define its correct meaning. Tu définis le sens correct. Okay. Mm-hmm. Therefore,
Par conséquent, Muhammad didn't need to get rid of that title. Allah n'était pas obligé d'annuler le terme fils de Dieu. He could have simply corrected their misunderstanding. Il aurait pu simplement dans le Coran le expliquer le vrai sens du terme. But instead, he said, mais au contraire, plutôt, his God is a father to no one. Dieu n'est père de personne. And he has no children. Et il n'a pas d'enfants. Even spiritually. Ni spirituel. Thereby, par conséquent, contradicting the message. Donc, que ça contredit of all the prophets. De tous les prophètes avant lui. Moses. De Moïse. Isaiah. Isaiah. Wow. Jeremiah. Jérémie. Jesus. Jésus. All of them. Tous. Yeah. So that means ça veut dire, he went against their teaching. Tu vas contre les enseignements du Coran. And therefore does not follow in their footsteps. Et tu n'es pas dans la lignée des enseignements du Coran. Encore une fois, je le répète, vous avancez des points comme si c'était des points qui étaient validés. Mais chez nous, ça c'est comme je le dis, c'est en première année, on t'explique ces choses-là. Okay. Pour nous, le fait qu'il y a marqué fils de Dieu, il n'y a aucun problème dans la Torah. Mais Karim, si je peux me permettre. Vas-y, tu dis qu'en première année, tu apprends ces choses-là, ouais, de cette personne, de cette personne, de ce professeur, de tout ça. C'est très connu. Mais le Coran lui-même n'est pas plus fort que les connaissances des gens, de tes professeurs. Oui, mais je t'expliquais la chose. Le Coran lui-même dit très spécifiquement, je suis le père de personne. Oui. Ne m'appelez pas père, je suis père de personne, ni spirituellement. Wow. Donc le Coran a un peu plus de poids que tes professeurs, que tes études théologiques. Mais le Coran lui-même devrait pouvoir avoir. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, vous voulez appliquer en fait votre vision des choses sur le Coran. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Non, le Coran. C'est le Coran qui contredit les visions. Chez les Juifs, chez les Israélites, le terme fils et le terme père étaient compris. For Jews, the term children and father was understood. Donc, en gros, quand Dieu va répéter à travers les messagers qui sont venus, Esaïe, etc., le terme père et fils, il le comprenait. When Isaiah and other prophets came, the term was understood. Sauf que le problème, entre-temps, il y a les chrétiens qui sont venus. The problem is that the Christians came about. Et ils ont mis le bazar. Ils ont changé en fait le sens des mots. And they change the meaning of the word. Les chrétiens ont changé le sens des mots. Okay. Le Coran leur reproche. C'est lesquels? Et moi lesquels? Le terme fils et le terme père. Mais qui a changé ça? Tous les chrétiens disent que. Non, I don't agree. I'll fight, guys. Let me, because I want to make the point. Okay. C'est bon, okay. Say, you're again making my case. Tu es en train de prouver mon point. Just because the Christians according to you, c'est juste parce que les chrétiens, pour toi, misunderstood, corrupted the meaning. N'ont pas compris et ont corrompu le no sens. No Jew, aucun juif, stop calling themselves children of God because of ne s'est jamais arrêté de s'appeler eux-mêmes fils so et enfants. Et pourquoi Mohammed? Pourquoi est-ce que Mohammed a décidé d'arrêter why parce que les chrétiens ont corrompu le mot alors que les juifs, and keep the title. Les juifs qui, les chrétiens ont corrompu le monde, mais ils s'appellent toujours enfants de l'éternel. Ta réponse, Karim. C'est pas ça. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi? Le Coran étant le dernier message envoyé à l'humanité entière. The Quran is the last message. Donc c'est envoyé à tout le monde. Donc it's les Hindous, les Israélites, les Juifs, les chrétiens, tout ce que tu veux, c'est compris dedans. Okay. Parmi tous ceux-là, il y a ceux qui vont prendre le terme de manière mauvaise. Some people will take it wrongly, ceux qui vont le comprendre comme les Juifs. Some will understand it as Jews. Et donc le Coran, en fait, enlève l'ambiguïté à sa base. And the Quran takes all the ambiguity at the base. Well, I'm going to repeat the same point for the third time. And then let's go to another. Okay, no, translate. Il va répéter encore une troisième fois. If the Quran is the final message, si le Coran est le message and final, a clear message of guidance, et le message clair de guidance, it doesn't have to get rid of an essential name of God. Il ne peut pas détruire, enlever un nom essentiel de Dieu. All it needs to do is tout ce qu'il doit faire, give its proper meaning, donner le propre sens. And then people would understand, et les gens and comprendront, not corrupt it if they are true believers. Si ils sont des vrais croyants. Okay, so c'est la vision. Why go to the extreme of them saying no, he's not a father. The only relationship is slave to master. Enlever le sens complet
et dire je ne suis père de personne, vous êtes des esclaves. Mais, okay. En fait, pourquoi il se met à la place de Dieu? Oui, mais en fait, Dieu devrait faire ça, mais you, tu dis quoi? Tu te dis à la place de why, Dieu. Why is God? Non, mais en même temps, toi aussi, tu te mets dans des traditions des hommes, puisque tu dis tout le monde connaît. C'est comme si mais la personne qui ne connaît rien, qui lit le Coran tout seul, qui trouve le Coran, il devrait pouvoir trouver le message parfait. Mais il est parfait le message de Dieu. Non, puisqu'il ne peut pas se dire fils de Dieu, alors que le Coran est clair, je ne suis père de personne. Mais c'est quoi le problème en fait? Je ne comprends pas. C'est le problème, sens. Le problème, c'est que mais tous les prophètes le avant Mohammed se sont dit, vous êtes enfants spirituels de Dieu. Ouais. Tous. Et c'est pour les Juifs. Les chrétiens ont pris ce mot et l'ont corrompu, mais ils ne l'ont jamais changé. Parce que les Juifs, les musulmans viennent plus tard et disent, les chrétiens et les juifs ont corrompu ce mot. Par conséquent, Allah a révélé qu'il n'est père de personne. C'est une contradiction. C'est une grande contradiction. Il y a un point de divergence entre islam et christianisme. Vous allez clôturer là-dessus. C'est un point de divergence. En fait, ça n'a on n'est pas d'accord là-dessus. Vous n'êtes pas d'accord. C'est même pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est le Coran étant la dernière révélation, il a enlevé l'ambiguïté pour pas qu'on retombe comme les chrétiens ont changé. Ça marche. Well, now the only problem is I want to know, does he think that Jesus in the Gospels or there are prophecies of Muhammad in the Gospels? If so, which ones? Est-ce que tu penses que dans l'Évangile, ou dans les mots de Jésus, ou dans partout dans n'importe où dans le Nouveau Testament, il y a des prophéties sur Muhammad? Yes, if he believes there are prophecies that Jesus made or what in the Gospels, can he just tell me what references? Est-ce que tu peux me dire simplement ou dans les mots de Jésus, il prophétise Mohammed. Ça, c'est une question vraiment, vraiment importante pour nos auditeurs, auditrices. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai, on nous parle de la révélation, je dirais, comme quoi Jésus annonce la venue, en tout cas de Mohammed. Et souvent, on dit qu'on utilise le cantique des cantiques, on utilise le paraclet, le périclitos, et il y a une grande confusion. Je sais que Karim, il est pertinent, il est honnête là-dessus, il va donner sa réponse. Mais parce que, pour finir, parce que si Jésus doit annoncer le plus grand des prophètes, je pense qu'on le trouverait quelque part. Dans les paroles de Jésus. Où la Bible est là. Ça veut simplement savoir où est-ce que Jésus prophétise Mohammed. C'est très simple. Ce n'est pas le thème. Le thème, Mohammed est-il un vrai prophète? C'est pas Mohammed est-il annoncé dans la Bible? Il te pose une question. Donc, dis oui ou non et on passe à autre chose. Non, mais c'est ça. Moi, je te réponds. Je dis oui ou non et on passe à autre chose. Mais ce n'est pas le thème. On passe à autre chose. Mais dis oui ou non. Ce n'est pas le thème. Non, je veux une réponse. C'est-à-dire, je veux une réponse. Est-ce que dans les paroles de Jésus, on a aujourd'hui, est-ce que Jésus a prophétisé Mohammed? Oui ou non? Et si tu veux pas en parler, dis-moi oui ou non. Tu veux pas en parler? Bah oui, c'est parce qu'il y a pas. Parce qu'il y a pas. C'est pas parce qu'il y a pas. C'est parce qu'il y a pas. It's not part of the subject, but I want to say yes or no. Because this is going to show me from the Gospel of Jesus whether Mohammed. C'est intéressant. Agrees with that question. Il veut savoir parce que il veut savoir ce que le Jésus de la Bible est d'accord avec le Mohammed du Coran. If I quote the Gospel of John, he's going to tell me it's not the NGO. Non, parce que si il va dans le livre, il va dans le livre. Non, mais je veux ça. Il veut pas parce qu'il n'y a pas. Non, pour les musulmans, Karim, bien sûr, qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Il l'a déjà développé. Je veux simplement. For example. Oui ou non. For example. On ne peut pas répondre par oui ou non. Non, il ne peut pas, Saïd, parce que le Coran dit que oui, mais la réponse est non. C'est pour ça qu'il ne peut pas dire oui ou non. Mais tu parles à ma place. Il dit hors sujet. Non, mais laisse-le parler. Mais non, mais là, tu réponds à ma place. Tu ne peux pas répondre. Il va répondre. Il répond si tu ne sais pas la réponse. On a déjà travaillé. Ce n'est pas une question de réponse, c'est un hors sujet. On parle des critères prophétiques. D'accord. Mais vous ne parlez pas de critères prophétiques depuis tout à l'heure. On va en parler. Ils sont où? On va parler d'un autre sujet. Alors, si tu ne veux pas en parler, je te pose une question très simple. Est-ce que dans les paroles de Jésus, c'est une question entre amis, est-ce que dans les paroles de Jésus, il y a un verset dans la bouche de Jésus qui prophétise Mohammed? Oui ou non? Pour toi. Je dis oui, mais en tout cas, on ne le traite pas, puisque ce n'est pas le sujet. Donc, je dis oui. Oui, mais lequel? Bah non, mais c'est pas le sujet. Tu vas sur le sujet. Pourquoi? C'est pas le sujet. Pourquoi pas? Mais parce que c'est pas si le sujet. Si on peut te prouver que ça ne parle pas de Mohammed. Tu n'as pas compris. Alex. Est-ce que c'est un critère prophétique? Okay, you said yes, but I don't want to bring it because I'm going to bring it. No, okay. It's our question. You have to. What do you mean? Okay, I'm going to make it easy for him. Yesterday, it's my question. Yeah. You have to answer. I'm going to make it easy for him. Yesterday in the debate, he said Matthew 21. Hier dans le débat, tu as coté 43. Matthew 21. 43. That nation that will be given the kingdom qui on donnera le royaume et c'est Islam.
So he admit that is an actual saying of Jesus. Que tu admets hier, tu as admis que dans les paroles de Jésus. And it's mentioning Muhammad and Islam. Ça parle de Muhammad. So I'm going to make it easier for him so we can cut short the time. Donc il va le faire le travail pour toi. Okay. That's a go read it. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Voilà. Hier, Karim a dit que c'est l'Islam. L'Islam. He quoted this. He quoted this to show this is a prophecy by Jesus. Yeah. Can you wait? Let me make my point. Yeah, I'll sit over here. I'll sit, but okay. Our time is running out. Yeah, and I make the point. Go ahead. Yeah. Yesterday, he quoted this as a prophecy of Jesus. Hier, dans le débat qu'on a fait, about the nation of Islam. Il a utilisé ce verset pour dire Matthieu, que ça parlait de l'islam. Matthieu 21, verset 43. Now I'm going to use. On va pas finir un truc que ce n'est pas le débat. Tu me parles du débat d'hier. Mais on s'en fiche d'hier, on est dans l'autre débat, dans l'autre thème. C'est une discussion, Karim. On est dans une discussion. Il veut pas défendre le point d'hier. Ben oui, c'est hier. C'est normal. Parce que c'est très révélant. Mohamed est-il un vrai prophète? Ça n'a rien à voir avec Mohamed est-il annoncé. This is going to now prove that Muhammad contradicts the very gospel. Maintenant, ça va prouver that he claims Muhammad to contredit l'évangile lui-même. Why? Pourquoi? Because if you start reading from 33 si to 39, see who Jesus is. Tu parles de 33 à le même de 33 à 39. To 39. 33 à 39. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne et l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il alloua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres ouvriers en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils. En se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le et emporons-nous de son héritage. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ok, now interpret the parable, because you see where I'm going with this. Jesus gives a story. Jésus donne une parabole. Yeah. About an owner. D'un propriétaire. Of a vineyard. Ouais. And in the story, God is the owner. Dans l'histoire, Dieu est le propriétaire. The vineyard. Le comment on dit le vignard? Le vigneron. Le vigneron. Is supposed to be Israel. C'est Israël. We know that from Isaiah 5. On le sait de Isaïe 5. Verse, chapter 5, verses 1 to 7. You don't need to. No. It's okay. Isaïe 5, verset 1 à 7. Okay, now. The servants in the story les serviteurs dans l'histoire are the prophets. Sont les prophètes. How do we know? Comment on sait? I'm going to mention the verses. But we're not going to turn there. On va pas voir verset, mais il va y avoir des versets. Jeremiah 7:25. 44 verse 4. 26 verse 5. 26 and 29:19. And Revelation. Et Apocalypse. 11:18. 11:18. The servants are the prophets. Les serviteurs sont les prophètes. Yet Jesus in the parable Matthew 21. Et Jésus dans la parabole. Doesn't place himself on the level of the servants. Il ne se met pas au niveau des serviteurs. He says he is the beloved son. Il est le bien-aimé, le fils bien-aimé de Dieu. Who is the heir? Qui est l'héritier de tout? And then the Jews, the tenants. Et les Juifs. Qui s'occupe de lui. End up killing him. Ils vont le tuer. Mm-hmm. And then continuing the story, et quand l'histoire continue, then the owner le propriétaire will come and destroy the vineyard. Viendra et détruira meaning God will destroy Jerusalem. Tout qui va détruire Israël. Like, and we know that happened et on sait que c'est arrivé 40 years after the death 40 of Christ. Après la mort de Jésus. So here Jesus says, Jésus dit, He is the son of God. Je suis le fils de Dieu. The heir. L'héritier. That owns everything. Que j'ai tout. That God owns. Que Dieu a. Since the servants. Comme le serviteur. Are owned by God. Sont, les serviteurs sont. Owned by God. Sont de Dieu. Okay. And Jesus is the heir of God. Et que Dieu est l'héritier de that de means tout. He owns the prophets. C'est lui qui est propriétaire même des serviteurs.
Now, the Quran says, le Coran dit, Jesus is not the son of God, Jésus n'est pas le and he's not the heir. Il n'est pas l'héritier. As I said in the debate yesterday, comme j'ai dit hier dans le débat, one of the names of Allah, un des noms d'Allah, is El-Warith, El-Warith, the heir, l'héritier. And if he wants the verses from the Quran, I can, si tu veux le verset, which introduces another problem, that's for another time. Okay. Okay, so the gospel of Jesus, l'évangile, l'évangile, Jesus Jésus, says, Jésus dit, I'm the beloved son, je suis l'homme, the heir of the father, le fils bien-aimé, yeah. L'héritier, yeah. Owning everything he owns, tout ce que Dieu even the prophet. C'est à moi. Yeah. Now show me how Muhammad agrees with that. Comment Muhammad peut être d'accord avec tout ça? With the Injil of Jesus. Vas-y. Comment est-ce que Muhammad peut être d'accord avec tout ça? Okay. Alors, parce que c'est toi qui a coté ce verset. Très bien. Alors, ce verset. J'ai été arguments. Patient pendant 5 minutes. Okay. Je me suis contrôlé. Okay. C'est bien. J'ai fait un effort pendant le Ramadan. Magnifique. Parce qu'en fait, je pense qu'hier, vous avez été éclaboussé, okay, et ça vous a marqué. Okay. Et vous êtes obligé de revenir avec ce verset aujourd'hui, okay, alors que depuis tout à l'heure, ça fait 5 minutes que je me suis tué parce que je vous ai dit, okay, mais ce n'est pas le thème. Non, ce n'est pas le thème. Maintenant, vous avez pris 5 minutes. N'est pas un prophète. Regardez, vous avez pris 5 minutes, okay, pour parler d'un point du débat d'hier. D'accord, mais qui est important, attends, aujourd'hui. Attends, vous avez pris 5 minutes pour parler d'un point du débat d'hier. C'est comme si moi je prends une vidéo de Sam Chamoun il y a une semaine qu'il a fait et je lui dis, oh Sam, attends, dans la vidéo de que tu as fait, bah tu as dit telle chose. Fais-le, il répondra. Mais c'est pas le débat. Là on a un thème, on a une thématique, et là c'est pour ça que comme vous avez pris 5 minutes, je vais donner 5 minutes à mon frère pour, okay, qu'il introduise la thématique que, vas-y, vous redoutez depuis tout à l'heure. Ok, okay. C'est parti. Vas-y Moussa. Voilà. Moi je voudrais nous on considère, et le Coran est clair dessus, que Mohammed est un envoyé de Dieu. We believe that the Quran says that Mohammed was sent by God. Okay. Ensuite, on considère aussi que la Bible n'a pas d'objection à considérer le prophète Mohammed comme un envoyé de Dieu. The Bible does not object to Mohammed being the prophet. Pour savoir comment déterminer un prophète, how do we know to determine who is a true prophet? On revient au texte. We come back to the text. Et je pense que Sam est d'accord avec moi. And Sam will agree with me. Oui. Which part do you want to agree? Go ahead. Tu veux finir? Vas-y. Oui, okay. Je continue. Mais tu vas, okay, tu vas donner des textes. Vas-y. Donne-nous des textes. Donc, quand on lit la Bible, ouais, when we read the Bible, Dieu, il a déjà révélé les caractéristiques des vrais et des faux prophètes. God has already had used the criteria for true prophets. Okay. Donc, les, d'après mes recherches, from my search, research, on a déduit une demi-douzaine de critères. We have half a dozen criteria. Okay. Le premier, first one, le premier critère pour reconnaître un vrai prophète, c'est qu'il doit appeler à l'unicité divine. He must call to be uniqueness, oneness of God. Comme ça, c'est écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 3. Donc le premier critère, c'est qu'il doit appeler à l'unicité divine. Je peux le lire? Non, laisse-le finir, on écrit tout. Le deuxième, c'est qu'il doit appeler au Dieu que les Israélites ont toujours connu. He has to call on the God of Israel. Qu'ils ont toujours connu. That they've always known. Merci. D'après aussi le Deutéronome, chapitre 18, 21. Les prophéties qu'il annonce au nom de Dieu, the prophecies that he announced in the name of God, doivent se réaliser. They must come through. À part certaines exceptions, except for certain exceptions, comme par exemple le fait qu'il annonce un châtiment pour une contrée. Except for like if he calls for a curse, you know, that will happen. Et que les habitants de cette région se repentent. And that the people repent. Alors la prophétie du châtiment est levée. Then que ça le repentance. Est-ce que tu as une référence pour ça? Le livre de Jonas. Jonas. Okay. Jonas. Okay. Ça, c'était pour les critères qui sont spécifiés dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus a donné d'autres caractéristiques. New criteria. En plus. Added criteria. Okay, what is it? Oui.
Parmi les critères que Jésus a donné, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 21. 7, 15, 21. C'est qui dit que les prophètes, on les reconnaîtra à leurs fruits. By their fruit. Sous-entendu, leurs bons fruits. Leurs bons fruits, yeah, good fruit. Yeah. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Encore. Et il a aussi dit dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 23. Luke 6, 23. Que les vrais prophètes sont persécutés de manière générale. They're persecuted. Et un dernier point, c'est dans la première lettre de Jean, first chapitre 4, versets 1 à 3. Oh, that one? One of three. Uh-huh. Il faut reconnaître Jésus. Jean what? First Jean what? Première, Jean, première four, lettre letter de Jean. And first three. Letter of John. Oh, beautiful. Yeah. Première thank lettre you, de Jean. C'est 1, n'est-ce pas? What else? Chapitre 1. Oui, c'est 3. Chapitre 4. 4, 3, 4, 13. Verset 1 à 3. 1 à 3, oui. Excuse-moi. Ouais. Ça marche. Can we stay with c'est this, bon this four? C'est fini? Can I now adjust this? C'est, non, il y a d'autres critères. Can I adjust you? Yeah, il y a d'autres critères émis par les. Ok, bon, on commence par cela. On commence par cela parce que c'est déjà pas mal. C'est déjà bon. Les savants juifs ont d'autres critères. C'est intéressant que qu'ils puissent avoir le tout. Mais on commence avec ça parce que c'est long. Plus tu penses. Ça c'est vraiment bien. Merci, merci Moussa parce que là c'est précis. Ok, yes. Alors, attends, je finis sur. Ok, Certains ont été. Donc, mais tout, c'est des rodas. Un prophète, il doit avoir la révélation doit lui être faite par un ange. The revelation must be done by an angel. Non. Write it down. Excepté dans le cas de Moïse. Except for Moses. Puisque les savants juifs considèrent qu'il lui a parlé directement. Okay. Except for Moses, where it was directly to Moses. Give me the verse from the Bible. I'm asking the evidence for the Bible. Est-ce que pour ça? Where it says by an angel. Dans l'Exode, si je me rappelle bien, quand Dieu il a parlé. Mais non, where is it in the Bible that this particular angel has to give the revelation? Que ça doit être par un ange. Non, c'est pas là. Non, en fait, c'est il est où ce critère? En fait, il a pas compris. Il n'a pas compris ce qu'il a dit. Il a dit les savants. Les savants. Oh, the Jewish scholars. This one we exit out. It's not in the Bible. Quand on lit les histoires des prophètes, les savants juifs déduisent des écritures ce critère. Les savants juifs déduisent des écritures ce critère. Avec, par exemple, critère. Okay. Avec l'exception de Moïse. Okay. Get to the, donc c'est possible de Dieu de parler directement. Get to the next criteria. Le prochain critère. Because all these are going to backfire now. T'en as d'autres critères? Toujours par le dernier que je vais citer, toujours par les savants juifs, scholars again. C'est que le prophète peut transgresser la Torah temporairement. The prophet can transgress the Torah temporary. Pour un but meilleur. For a major, better goal. Mais ça ne doit en aucun cas toucher à l'unicité divine. But it must not touch to the oneness of God. Moussa répète. Un prophète peut transgresser la loi. Mm-hmm. Temporairement. Temporairement. Pour un but meilleur. Okay. Pour un intérêt plus important. C'est ça bon, c'est ça. Wow. Ok. Ok. Ok, that's right. Just wanna, okay. There's one more because I want to address this now. C'est bon. Et Moussa, merci. Merci parce que là, c'est vraiment clair, net et précis. Non, et je te remercie. C'est bien. Je te remercie parce qu'au moins là, c'est clair et précis. On a des versets précis. Ok, maintenant, on va répondre. I want everyone to see, translate. Je veux que tout le monde voit. He appealed to First John. Il a parlé de premier Jean, le premier de Jean, Matthieu, and Luke. Et Luc. And when I now use these same books, quand j'utilise ces mêmes livres, to prove Muhammad is a false prophet, pour prouver que Muhammad est un faux prophète, he can't tell me these books are not corrupted. Il peut pas me dire qu'ils sont corrompus. Okay. Now let's go to First John 4. First John 4. Let's see what he did not read. Première lettre de Jean, verset chapitre 4. L'évangile de Jean ou première lettre de Jean. Remember, he referred to these books, right? Uh-huh. Okay, to prove Muhammad is a prophet. I want to thank Moussa. Maybe I want them to listen. Je veux remercier Moussa. Moussa. Moussa, je veux remercier. Il veut te remercier. Go to First John. It's the letter, not gospel. It's what? After Romans. Let's stop for a while. Come on, man. Yes, it's after First John. I want to thank Moussa for quoting these books. Je veux remercier Moussa for prophethood. Utiliser ces because these books are going to show why we can never become Muslim. I know where it is. Et parce que ces versets vont prouver pourquoi on ne peut jamais devenir musulman. Okay, now read 1 John 4 verses 1 to 3 which he quoted. Le verset que le verset 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1 à 3. I want him to listen. Écoutez bien. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit
mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Ruh Allah. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme et de Dieu. Et si un Messie est venu en homme et de Dieu, et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le messager venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Ok, now he's read this as a criteria for prophet, right? C'est ce qu'il a lu comme critère. Don't comment yet, hold on. Yeah, it's okay. Now read for me verses 9 and 10 of the same chapter. Maintenant, lis les versets 9 et 10 of the same chapter. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Okay. This is the same chapter. C'est le même chapitre. Where it says God sent his only son, où Dieu dit il envoie son propre fils unique, to offer himself as a sacrifice, comme sacrifice, for our salvation, pour nos péchés et notre salut. All of which Muhammad contradicts. Tout ce que Muhammad contredit. Now go to 1 John 5. What verse? Yes, it's okay. Let me get there. Verses 9 to 13. 9 à 13, je lis. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu. Celui qui a rendu à propos de son Fils, celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ok, so here, ici, the verse says, the passage says, le passage dit, that whoever says, celui qui dit, Jesus is not the Son of God, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, makes God a liar, rend Dieu un menteur, because God said he is my son. Parce que Dieu a dit, c'est mon Fils. Muhammad said Jesus is not God's son. Jésus a dit, Muhammad a dit, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. So according to John, donc pour Jean, which he appealed to, c'est Moussa qui a utilisé, Muhammad turned God into a liar. Muhammad a rendu Allah un menteur. Now go to 1 John 2, 1 Jean 2, 22-23, je lis, il est exactement écrit, qui est mensonge? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist. Celui qui nie le Père et le Fils, si quelqu'un nie le Fils et le Père, si quelqu'un nie le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Ok, now according to 1 John, which he appealed to, donc pour première lettre de Jean, comme Moussa l'a an Antichrist, l'Antichrist, says that God is not the Father, dit que le Père n'est pas le Dieu n'est pas le Père et Dieu n'est pas le Fils. In the Bible. Yet the Quran says Allah is not the Father. Et pourtant le Coran dit Allah n'est pas le Père. And Jesus is not the Son. Et Jésus n'est pas le Fils. Yes. So according to this criterion, donc pour ce critère, Muhammad is an Antichrist. Muhammad est un Antichrist. What about the Gospel of Matthew? Et le which Matthew. You appeal to? Et Matthieu, tu as utilisé Matthieu. Let's go to Matthew 17. Matthieu 17. Verses 1 to 5. 1 à 5. Après, you appeal to these books. 17, okay. Remember, they appeal to these books. What's the verse? 17 verses 1 to 5. C'est Moussa qui a utilisé. 1 to 5. Yeah. Oui, mais c'est Matthieu. C'est Matthieu. Yeah, you appeal to Matthew. Okay. Yeah, Matthew 17. So now 17. Let's read Matthew now, see what Jesus says. I read 17. Yeah, verses 1 to 5. Okay. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère et Jean. Ils les conduisirent à l'écart dans une haute montagne. Ils furent transfigurés devant eux, de son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore, une lumineuse lumière les couvrit de la nuée et une voix se fit entendre ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Okay. In that very gospel of Matthew, dans le même évangile de Matthieu, God the Father himself, Dieu le Père lui-même, appears in a cloud. Il vient apparaître. The apostles see the cloud. Les gens, les apôtres voient. Hear the voice of God. Voient le nuage et voient la nuée. Saying this Jesus. Et voilà, et entend la parole de Dieu directement. Is my beloved son. Et Jésus dit, et Dieu dit directement, Jésus et mon fils bien-aimé, écoutez-le. Now go to Matthew 3:16-17. Matthieu 3. 3:16-17. 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. Il est écrit. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu, Ruh Allah, descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel, ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toujours mon approbation. » So here again, God's voice is heard. Encore une fois, la parole de Dieu est entendue clairement. Bearing witness. Qui est témoin. Jésus is my beloved son, est mon fils bien-aimé, who always delights me. Qui est toujours dans mon affection. Muhammad said Jesus is not the son of God. Muhammad a dit Jésus n'est pas le fils de Dieu. And denied that God ever bore witness to that. Et que Dieu n'a jamais témoigné de cela. So these are one of the rotten fruits. Ça c'est un des fruits pourris. Proving that he cannot be a prophet. Que Muhammad that comes in the line of the prophets. Un vrai prophète de la lignée des prophètes. He went to Luke, right? Go Luke, to Luke now. On finit. Can I address your criteria? Je voulais répondre à déjà le premier critère qu'il a cité. Okay. Can we Luke? Finish to Luke. Yeah, Luke 6. Okay. The same Luke 6:46-49. Okay. Quote 23. Go to Luke 6:46-49. 46-49. Okay. Je fais beaucoup de lectures moi aujourd'hui, hein. Donc pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle est fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée. La ruine de cette maison est grande. Okay, so here you have Jesus saying, Jésus, why do you call me Lord, Lord? Et Jésus dit, pourquoi vous m'appelez Père? And not do the things I say. Et que vous ne faites pas ce que je vous dis. So he wants you to acknowledge he is your Lord. Il veut que vous sachiez qu'il est votre Seigneur. And do what he commands. Et que vous fassiez ce qu'il vous commande. The phrase Lord, Lord. L'expression Seigneur, Seigneur. Lord, and is the Greek equivalent. C'est l'équivalent en grec. Of Adonai Yahweh. Adonai Yahweh. The Lord Yahweh in the Old Testament. L'Ancien Testament. So here Jesus is saying. Dieu Yahweh de l'Ancien Testament. That he is Adonai Yahweh. Il se dit Adonai Yahweh. I don't know if any Muslim would say that he is the Lord God. Mohammed n'aurait jamais été d'accord avec ça. I can give you more verses from Luke and Matthew and John to prove. On peut vous donner plusieurs versets. Give for the people. Let's go Luke 20. Okay, well, he wants. Okay. 24. Okay, well, let's go Luke 18:31-33. Luke 18:31-33. This is just another point. Not Lee. And then I'll end it because I want them to address it. Because Deuteronomy, and I'll make a point of Deuteronomy. Okay, Luke 18, I want them to listen. 31-33. Jésus prit les douze avec lui et leur dit, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit sur les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs et son moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprirent pas cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Okay, did you see Jesus said the prophets prophesied? Jésus a dit les prophètes ont prophétisé. That he the son of man, que moi le fils de Dieu, will be handed over to Gentiles, sera donné aux païens, to be killed, pour être tué, and then be raised back to life, et que je reviendrai trois jours plus tard à la vie. Matthew 26:28 says, Matthieu 26:28 dit, that Jesus will shed his blood, que Dieu va donner, que Jésus va donner son, for son the forgiveness of sins, pour le pardon des péchés. So let's see the pattern. Matthew, Matthieu, Luke, Luc, First John, la première lettre de Jean, all claim,
tous. Jesus is the unique. Jésus est l'unique. Beloved Son of God. Et bien-aimé de, fils de Dieu. Who would die? Qui va mourir for our salvation? Pour nos péchés. And come to life. Et pour notre salut. All et qui est revenu à la vie trois jours plus all tard. Of which Muhammad denied. Tout ce que Muhammad dénie. So why did you appeal to these books to prove et pourquoi est-ce que tu, alors vous utilisez ces livres pour renier pour vos points? I don't get pour vous comme propre. J'utilise ces livres parce que premièrement vous croyez dans ces livres-là, premièrement. Bien sûr. Deuxièmement, Muhammad ne renie pas Jésus en tant que. En fait, quand vous parlez du Coran, Muhammad reconnaît Jésus en tant que prophète, c'est clair. Il reconnaît en tant que prophète, envoyé, messie, etc. Oui. Le problème que vous avez, ce que vous n'avez pas compris, c'est que dans le Coran, c'est que on renie pas que le fait que Jésus, que Dieu est le Père ou que Jésus est le Fils. On renie le fait que. Le Coran réfute le fait que ce soit un père dans le sens spirituel, un engendrement corporel. Corporel, okay. Charnel. What the Quran is denying is it's nous aussi, nous aussi on rejette ça normalement. Okay. Non, that's not it. Hein? Non, c'est le Coran ne dit pas ça. Surat al-Tawbah, ayah 30 says no. That's not what it's denying. Le Coran ne dit, c'est pas du tout ce que le Coran dit. Si le Coran, justement, je vais expliquer. Le Coran, quand il parle de Jésus, quand il le dénomme Messie, when Quran says that il dit Issa, le Messie, fils de Marie. Oui, Ibn Mary. Dans ces expressions-là qui reviennent à chaque fois dans le Coran, ouais. Allah, il veut montrer justement le juste au milieu à observer. Le Coran, quand il emploie le terme de Jésus, le Messie, fils de Marie, il veut montrer par là le juste milieu observé concernant la conception de Jésus lui-même. When he says that the son of Mary, he wants to find a middle ground to explain. C'est-à-dire, which is le Messie, the Messiah, sous-entendu. Il n'est pas Dieu. He is not God. C'est une réponse pour les chrétiens qui ont divinisé. That's an answer for those who started to make him a divinity. Et c'est en même temps une réponse aux Juifs. And an answer to the Jews. Qui renie Jésus en tant que Messie. Who deny Jesus as a Messiah. Et quand il est dit fils de Marie, mm-hmm. c'est pour montrer qu'il est. C'est un engendrement qui n'est pas charnel. Il est sorti, voilà, c'est un engendrement spirituel charnel par rapport à Marie, mais c'est pas par rapport à Dieu. When he says that, he's saying that it's, you know, it's a physical birth from Mary, but not from ça, the c'est par rapport aux chrétiens. That's for the Christians. Et pour les Juifs. And for the Jews. C'est pour citer que Marie était bien la mère de Jésus et non pas une prostituée ou autre. That she was the mother of Jesus, okay. And not and a good, prostitute. Ça c'est bien, okay. Ça ne pas ça. Okay. Il a considéré comme une prostituée. And in the Bible. Wow. Les mots fils et père, the words father and son, ont des significations différentes en fonction du contexte. Have a different meaning depending on the context. Et ça, les Juifs l'ont très bien compris. Jews understood. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais considéré que Jésus était Dieu, fils de Dieu engendré de manière charnelle. They never believed in Jesus as being the unique Son of God. Et c'est la même chose pour le mot fils. And same for the word son. Après, okay. On peut développer à chaque fois sur les mots père et fils, mm-hmm. Et ça veut en aucun cas quand le mot père est employé, ça signifie qu'il est forcément un père, ou, en tout cas, ça c'est dans le sens spirituel que le mot père est employé. It's in a spiritual matter, in a way that it's pareil not, pour le mot not, fils. Not in a physical sense. Pareil pour le mot fils. Same with son. It's a spiritual. C'est spirituel et pas corporel. Voilà. Et ça, l'islam n'a pas de problème avec cette conception-là. Islam has no problem with that conception. Yeah, actually, it does. But when it's done, I'll show it. Okay. Actually, it does. Yeah. Okay. Is it done? Il peut répondre à ça? Okay. This goes back to the point I was making earlier. Ça revient au point qui disait. From Deuteronomy. Deutéronome. That Israel is the sons and daughters of God. Que Israël sont les fils. Spiritually speaking. Et spirituellement les fils. And God is their father spiritually. Et Dieu est leur père spirituel. Which the Quran says.
They're not, right? Et le Coran dit non, ils ne sont pas. His answer was, ta réponse, Moussa, is that, not Moussa, Karim's answer. Okay. Yeah, get your facts here, friend. Okay, his answer was, in order to avoid confusion because of the corruption of the meaning. Okay, pour éliminer la misconception hein, du terme lui-même. The Quran got rid of the time altogether. Le Coran a complètement éliminé le terme pour pas qu'il y ait pas de confusion. Which again shows that Muhammad is not a prophet like the other prophets. Ce qui prouve que Muhammad n'est pas un prophète comme les autres prophètes. Because none of the prophets. Parce que nul des prophètes. Did away with that title. N'a éliminé ce terme. Even though the meaning was corrupted by the pagans. Même si le terme était corrompu par les païens. Secondly. Deuxièmement. The passage is about Jesus being the Son of God. Le passage qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. Although it is spiritual. Même si c'est spirituel. In the context, it shows that Jesus is the Son who is one with the Father in essence. Mais le passage lui-même dit qu'il est un avec le Père éternel. And therefore God. Et par conséquent, Dieu lui-même. To prove it, go to 1 John 5:20. Première lettre de Jean. Which is what he cited. Uh-huh. Okay, so now when he goes to 1 John 5:20. The third point he didn't address is the same book say that Jesus would be killed for a sacrifice for our sins. Le même livre dit que Jésus sera tué pour nos péchés. How does that not contradict the Quran? Comment est-ce que ça ne contredit pas le Coran? So even if we want to agree with the Father and Son, même si on est d'accord avec toi au niveau du Père et Fils, you still have the problem that the Quran does not believe Jesus died for our sins. Ne croit certainement pas que Jésus est mort pour nos péchés. Le livre que nous avons which he appealed to? Que vous avez utilisé. All say he came to die as a sacrifice for us. Il est venu pour être un sacrifice pour nos péchés. Read 1 John 5:20. Premier Jean, lettre de Jean, chapitre 5, verset 20. 1 John 5:20. Okay. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis au Fils Jésus-Christ. Celui qui est le vrai Dieu a la vie éternelle. Okay, so do you see who is the true God and eternal life there? Qui est le vrai Dieu et qui a la vie éternelle? The Son who reveals the true one. Le Fils qui a révélé le vrai Dieu. Is called the true God and eternal life. Il est appelé lui-même le vrai Dieu. Now go to 1 John chapter 1, the beginning chapter. Le premier chapitre. Yeah, okay. 1 John chapter 1, read verses 1 to 3. Yeah. Celui qui était le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée, nous l'avons vue. Nous en sommes les témoins et nous l'annonçons. Cette vie éternelle qui est auprès du Père, qui s'est manifestée à nous. Ce que nous notice avons entendu et entendu. Before you finish. The eternal life. La vie éternelle that was with the Father, qui était avec le Père. He appeared, we saw him, we touched him. Il est venu, on l'a touché, on l'a vu. And that's Jesus, right? C'est Jésus. Yeah. Now keep reading. Yeah. Continue. All the way to 3. Ce que nous avons entendu et vu, entendu, nous l'annonçons, et vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. So notice what John says. Father and Son, Père et Fils, yeah, together, ensemble, yeah, from the beginning, dès le départ, yeah. Jesus is that eternal life, Jésus est cette vie éternelle, that was there in the beginning with the Father, au départ avec le Père, and at the end in 1 John 5:20 says, the true God is the eternal life. Et à la fin de ce même chapitre, de ce même livre, lettre de Jean, il dit que Jésus est le Père. So if Jesus is the eternal life, Dieu, éternel, if Jesus is eternal life, si Jésus est la vie éternelle, and the true God is eternal life, et Dieu est la vie éternelle, that means John just told us Jesus is the true God. C'est-à-dire que Jésus nous a dit qu'il est lui-même la vie éternelle. Now I want him to tell me that as a Muslim he has no problem with Jesus being the true God, who is the eternal life, who was there in the beginning with donc, the Father. Comme musulman, vous ne pouvez pas être d'accord avec ces versets qui disent que Jésus est avec le Père éternel, qu'il est la vie éternelle qui vient sur terre comme représentant et comme Dieu éternel et qui meurt pour nos péchés et qui est le sacrifice pour nos who péchés. Became flesh qui est devenu chair to die for our sins, pour mourir pour nos péchés. Which is what Matthew, Luke, and c'est John all teach. Matthew, Luc, Jean et Marc que vous avez utilisé. Yeah, donc déjà il y a une mauvaise conception par rapport à la communion avec Dieu. It is a misconception about the communion with God. Le fait d'être avec Dieu ou en Dieu comme il a dit parce qu'il a utilisé le terme en moi si je me souviens bien, cela ne signifie pas être Dieu.
That doesn't mean to be in communion with God. Yeah. That doesn't mean in communion doesn't mean it is God. That's not my argument. I didn't even say that. Non, il a dit le fait d'être avec Dieu, c'est comme c'est la c'est ce qui montre que Jésus est Dieu, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. He says that because he's in eternity with God, that he is God. No, it says the eternal life with the Father. La vie éternelle avec Dieu. With the Father. Avec le Père. Which 1 John 5:20 says, you have to be the true God to be the eternal life. Et la fin de la première lettre de Jean, à la fin, le dernier verset, nous dit que pour être la vie éternelle avec Dieu, ça veut dire d'être Dieu. That's what John said. That's not what I said. Jean dit, pas nous. Jean il parle de la communion avec même les apôtres. Okay. John speaks of communion even with the apostles. En chapitre 17. That's not my argument. Say please don't. Mais c'est pas son argument. That's not my argument. Son argument, c'est que. That's not my argument. L'argument, il dit que le fait d'être avec Dieu, ça signifie qu'on est Dieu. Moi, je lui dis non. Le fait d'être avec Dieu, ça signifie qu'on est proche de Dieu, mais qu'on n'est pas Dieu. He says that just because you're with God doesn't mean you're God. That, you know, that means can I repeat my argument again? Because I guess either he didn't hear me. Yeah. Okay. I said Jesus is the eternal life. Jésus est la vie éternelle. That's with the Father. C'est différent. C'est différent. Yeah. In the beginning, before creation. Il était au début avec le Père. And avant la création. The eternal life. Et pour être l'éternel life. You have to be the true God. On est obligé d'être le vrai Dieu. C'est ce que Jean nous dit là. Yeah, I understand. I talk with my brother. Yeah, but say it. He's trying to explain to him so he doesn't misrepresent my sorry. You're talking, we're going to talk to the wall. You guys talk. Okay, Mr. Wall? Okay, let's try it again because say it's too excited. Can you let me help the guy make my point? Okay, make the point. My point is this. Jesus is the eternal life. Et la vie éternelle. That was there with the Father. Qui était avec le Père. Before creation. Avant la création. And that John says. Et Jean nous dit là. If you're the eternal life. Si tu es la vie you éternelle. You have to be the true God. Tu es obligé d'être because le vrai Dieu. In 1 John 5:20 says, we are in the Son. He is the true God and eternal life. Parce que le dernier verset de cette lettre nous dit que Dieu, Jésus est la vie éternelle et que la vie éternelle est Dieu. So can you show me any creature, any apostle, any prophet? Montre-moi n'importe quel apôtre, n'importe quel messager de Dieu qui that was with God personally, qui était avec Dieu personnellement before creation, avant la création, in eternity, en éternité, was the eternal life itself. Et qui est la vie éternelle. That's my argument. C'est ça l'argument. Moi, je lui dis, Jésus l'a donné la solution pour obtenir la vie éternelle. Jesus gave the solution for eternal life. Amen. That Jesus gave the solution eternal life. Okay, this is the problem we're having. To say he's the solution to eternal life is not the same thing as addressing the fact that he's called the eternal life that was there c'est in eternity. D'être la solution pour la vie éternelle, c'est différent de ce que Jésus dit, que la vie éternelle, qu'il est la vie éternelle, et que la vie éternelle, c'est Dieu. Nor does it address that to be the eternal life, you have to be the true God. Because 1 John 5:20 says, the true God is the eternal life. C'est ce que j'ai dit. The true God and eternal life. La vie éternelle, c'est, comme le nous dit le dernier verset de cette lettre, c'est, ça veut dire d'être Dieu. You can't have someone other than the true God who is eternal life. Tu ne peux pas avoir quelqu'un d'autre à part Dieu qui est la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir un apôtre. Jesus didn't simply say he's the solution. He has a solution. Jésus n'a pas simplement dit qu'il a la solution. He says he is the life. Il a dit, je suis la solution. John 14, je suis la vie. He just said that. John 14, 6, Jesus said, I am the way. Jean, chapitre 14, verset 6. The truth. Je suis la vérité. The life. La vérité. No one comes to le the chemin. Father, et personne vient au Père. Except vient me. Que par moi. Why is that interesting? Because in John 14, 6, when he says the truth, quand il dit dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis la vérité. In Arabic, it's al-haq. En arabe, c'est al-haq. According to the names of Allah. Et un des noms de Allah. One of his names is al-haq. Et c'est al-haq. And you'll find that in chapter 22, verse 6 of the Quran. Dans sourate 22 verset 6. And al-haq is never given to anyone except Allah and the Quran or the Hadith. À part pour Dieu. So no, Jesus not just saying I'm the solution. Il have the solution. Jésus ne dit pas simplement il a la solution. I am the solution. I am the eternal life. Je suis la vie éternelle. I am the life. Je suis la vie. So does he agree that Jesus is there eternally as the true God and eternal life with the Father? Est-ce que tu es d'accord pour dire que Jésus est en éternité avec Dieu, qu'il est la solution, qu'il est la vie éternelle et qui donc par conséquent. And does he agree with Jesus' words in Matthew and Luke, he would die, be killed, to shed his blood for the salvation of sins. Avec les passages qu'on a cités, où
Jésus dit, il est venu pour mourir pour nos péchés. And did his prophet agree? Et est-ce que ton prophète est d'accord avec? Justement. 20 minutes. Okay. Quand on cite les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, il faut les prendre dans leur ensemble. You have to take the whole gospel. Yeah, just did. Yeah. Donc quand il cite par exemple Jean 14, 6. When you use John 14, 6. Déjà dans le verset lui-même définit ce qu'est ce qu'est la vie comme Jésus l'a voulu le signifier. As of Jesus wanted to sing to. C'est moi je suis le. Il disait qu'il était le chemin. He said he's the way. Ils n'ont pas la destination. Not the destination. No, that's not what he said. No. Si, parce que dans le même évangile, il parle. Entre autres, hein, je vais citer juste cet exemple, il y en a d'autres, qu'il est le portique. He said he's the door. Il est la porte. Il est la porte ou le portique, c'est vraiment par laquelle les brebis doivent passer pour obtenir la vie. Through which people have to go through to get to. I know these arguments, he's just parroting what he heard from Zechariah. No, you're wrong, yes. Brother. No, you're wrong. No. Parce que aucun de ces gens-là, ils veulent pas le débat. Ils veulent pas le débat. Pourquoi? Non, mais bien sûr que non. Parce que aucun de ces, c'est pour ça que j'ai du respect pour Karim et Moussa. Karim et Moussa sont toujours prêts à débattre. Mais les plus grands savants, parce que nous ne sommes pas les plus grands savants, moi je ne suis pas le plus grand savant, ne veulent pas débattre Sam Chamoun. Because the reason why I'm saying it's an old argument, the same chapter, John 14, says Jesus is the way and the destination. If you just read verses 1 to 5. Non, si tu lis le 1 à 5, Saïd. Dans Jean chapitre 14, verset 6, si tu lis 1 à 5, il dit qu'il a la destination. The same chapter, don't start at 6, read verse 1 to 5. Can you read it for the brother? Lis-le, Saïd. Can you read it for the brother? Jean, l'évangile de Jean. Jean 14:1-5. He said he's the way, not the destination, right? 1 à 5. Okay, before, hold up. Here's the point. He said he's the way, not the destination. Moussa a dit, il est le chemin, mais pas la destination. He is the way and the destination. Et il est le chemin et la destination. Because he brings people parce qu'il prend les gens to the Father, au Père, and to himself. Et à lui-même. Okay, now read John 14:1-5. Yeah, because that's okay. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons pas où tu vas. Comment nous pouvons savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ok, now go to John 17:24 to see if Jesus is the destination, not just the way. John 17:24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Ok, now my question is, did Jesus say I'm the way, not destination, or I'm going to bring you to myself, and he asked the Father to bring disciples to where he is to be with him. So he's the destination. Est-ce que Jésus est simplement le chemin, ou est-ce qu'il dit, Père, donne-moi ces gens pour les ramener avec moi, pour qu'ils soient avec moi dans la gloire, dans la maison. La destination, donc c'est la vie. Il est de la destination. Oui. D'accord. Et lui sera dans la vie éternelle. The destination is the eternal life, and Jesus will be in the eternal life. Il souhaite que ses suiveurs soient avec lui dans la vie éternelle. And what he wishes, and what he wants, is for people to be with him in the eternal life. Okay. Mais le dans le premier Jean, il nous dit qu'il est la vie éternelle, puisque la première lettre de Jean nous dit. Can we get back now? Here we're changing. We're jumping into too many issues. Okay. Here's too many issues. We're jumping in. Here's the thing. No, hold on. I just want to make this point. If they're going to listen, I want them to listen. Okay. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Okay, he's here. Okay. And the destination. Et la destination. And he is the one who gives them the life. C'est celui qui leur donne la vie. To live forever. Pour vivre toujours avec lui.
How do I know? John 17, verse 1 and 2. Because he keeps, he said, yeah, John 17, 1 and 2, before you read, he said, yeah, he wants them to live with him forever where he's at. That's what he said, right? Moussa dit qu'il veut qu'ils vivent avec lui où il va être. The same gospel of John says, Jesus gives them life forever. Jésus leur donne la vie éternelle. And he will bring them, et il va les ramener, to live with him, de vivre avec and lui, the Father, et le Père, forever, pour toujours. Which is only what God can do. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. John 17, 1 and 2. Je viens de le lire. Non, 17, 1 et 2. John 17, 1, après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ok, now, can any creature say to God, est-ce que n'importe quelle création ou prophète peut dire à glorify Dieu, me the way I glorify glorifie-moi you? Comme tu es glorifié. Okay, but that's what Jesus said, right? Est-ce que Jésus a dit? Yes. Okay. Secondly, did Jesus say, I show them a life, or no, Father, you appointed me est-ce que to Jésus give là, life est-ce to all Jésus of them? A dit là, je vais leur montrer la vie éternelle, ou est-ce qu'il dit, je vais leur donner la vie éternelle. Go to John 6, 39 to 40. Okay. John 6, 39 to 40. Pay attention, say it. John 6, 39 to 40. Let me make the final point. Okay. John 6. According to Islam, translate, according to Islam, l'Islam, on the day of resurrection, le jour de résurrection, it will be God who will raise the dead, right? C'est Dieu qui va ressusciter les Jesus morts. Jesus says, I'm going to do that. John 6, 39 to 40. Hold on. 39. Let's do, I want them to hear. According to Islam, l'Islam dit que on the day of resurrection, le jour de la résurrection, it will be God who raised the dead, right? Allah qui va ressusciter les morts. John 6, 39 to 40, Jesus says, I'm going to do that. Verset 39 à 40 dit, c'est moi qui vais le faire. Or, la volonté de Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Ok, so on that day, the last day, en ce jour, le dernier jour, who will raise believers to life? Qui va ressusciter les morts? Who? Who's qui, going to do qui ça? It? Jesus, right? Jésus. According to Islam, who does that on the day of resurrection? L'Islam dit que c'est Allah, right? Allah va le faire. Yes, he now agree with the gospel of John. Jesus is the God who raised the dead at the last day. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour dire que c'est Jésus, Dieu éternel, qui ressuscite les morts? En fait, les gens sont ressuscités par rapport au fait qu'ils ont suivi la vérité en étant sur terre. C'est comme ça qu'ils sont ressuscités pour obtenir la vie éternelle. People will be resurrected for doing the good work. Les bons fruits, c'est ça? En fait, pour obtenir la vie éternelle, comme dit Jésus dans tous les évangiles, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre juste des versets pour piocher dans les versets, il faut prendre l'ensemble du message de Jésus. Dans l'ensemble des évangiles, du début à la fin, pour obtenir la vie éternelle, Jésus nous dit deux choses, les deux plus grandes choses. La première des choses qui revient constamment, même avec les anciens prophètes, c'est le fait d'adorer un Dieu unique. To have a unique God, to adore a unique God. Et ensuite, quand il donne d'autres enseignements comme certaines pratiques de la loi, etc., c'est sous-entendu, il faut suivre la loi donnée par Dieu. Parce que you have to follow the law given by God. Ça, c'est des choses de base. On n'a même pas débattre sur ça. Okay. Le messager, il est là pour guider à travers. Mais là, il dit que nous ne sommes pas d'accord. Il dit que c'est lui qui va ressusciter les morts. Oui, mais ça, c'est sa mauvaise compréhension des textes. Parce qu'il doit prendre les textes en leur ensemble. S'il prend ce verset-là, il dit que c'est lui qui ressuscite les morts. Ouais, déjà, le fait de ressusciter un mort, c'est pas une preuve de la vie divinité. Le fait de ressusciter un mort, déjà, c'est pas une preuve de la divinité de quiconque. Mais c'est ce que le Coran dit. Le Coran dit qu'il n'y a que Dieu Allah qui peut ressusciter les morts. La preuve que non, c'est que dans le Coran, il y a des prophètes qui ont ressuscité, qui ont fait le miracle de la résurrection. En tout cas, pour résumer, brother, on doit donc adorer un Dieu unique et suivre la loi. Maintenant, je voulais clôturer ça, pourquoi? Parce que ça, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Là, on est en train de parler de la divinité de Jésus. Et ça, on pourrait faire un débat à part sur la divinité de Jésus, etc. Là, le sujet, c'est est-ce que Mohamed est un vrai prophète ou pas? Là, on a parlé sur Jésus, alors qu'à la base, bon, j'ai un peu détaillé parce que je ne voulais pas vous couper comme ça, mais à la base, on recadre, on recentre les choses sur le sujet. Est-ce que Mohamed, c'est un vrai prophète ou pas? C'est ça le sujet. Okay. D'accord.
Moi, j'aurais une question pour vous deux. Je veux le laisser parler un peu parce qu'on a lu pas mal de textes. Je veux le laisser parler. Bien sûr. Il va aller sur Jean chapitre 2. Je veux qu'on recentre le débat sur le sujet. Okay. Le sujet, c'est que Mohammed est un vrai prophète. Pas est-ce que Jésus est Dieu ou pas, ou ce genre de choses. Ça, on peut faire un débat. Ce qu'on essaie de démontrer, c'est que le message biblique, qu'ils soient corrompus ou pas, parce que l'évangile que les chrétiens avaient du temps de Mohammed, contradit complètement les savants ont à peu près 4 avis sur le sujet. Nous, on ne peut pas vous dire quel avis est le bon ou pas, et on ne peut pas calquer votre avis sur le vôtre, et vous ne pouvez pas calquer notre avis sur le vôtre. Okay. Nous, on a une divergence sur le fait de savoir déjà qu'est-ce qui est préservé réellement dans le texte que vous avez, vous, actuellement. Vous voulez nous imposer votre avis sur le fait que, pour vous, tout est authentique, et vous voulez appliquer cet avis sur le... So we're trying to impose our view of the whole gospel on them. No. Can I address these claims, though? Okay. Did I appeal to Matthew or he appealed to Matthew? C'est toi qui as utilisé Matthieu, donc il a utilisé Matthieu. Did I appeal to Luke or he appealed to Luke? Est-ce que c'est lui qui a utilisé Matthieu ou c'est toi qui as utilisé? Did I appeal to 1 John or he appealed to 1 John? C'est lui qui a utilisé le problème de Jean ou c'est toi qui as utilisé Matthieu? Did I not say that if you're going to quote these same books, you can't then say, I can't use these books against you? Il t'a prévenu, si tu utilises les versets bibliques, pour critère, il va utiliser les mêmes chapitres. Donc il n'a pas compris son point. I didn't say Jesus simply raised the dead. Il n'a pas dit que Jésus simplement donne la vie aux morts. So I know there are other people who raised the dead. Bien sûr qu'il y a d'autres prophètes qui donnent la vie aux morts. What I said and I was clear that according to even the Quran. Mais même pour le Coran. On the last day, au jour dernier, it will be God alone, ce sera que Allah who raises the dead, qui donne la vie aux morts. John 6:39-40, let me finish my point. He said that the way you attain life is by following the prophet, obeying the law, right? Il a dit que pour la vie éternelle, c'est de suivre les prophètes et d'obéir la loi. He didn't pay attention to John 6:39-40. Mais t'as pas. Read it one more time. T'as pas écouté John 6:39-40. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai à la fin du monde. Jésus a dit que la façon que vous serez ressuscité, keeping the law of Moses, que c'est de suivre la loi de Moïse, or looking to the Son and believing in him, ou regarder le Fils éternel de Dieu et de croire en lui. And when you look to the Son, et quand tu regardes au Fils, who will then raise you back to life at the last day? Qui va te donner la vie éternelle à la fin des jours? The Son, right? Le jour dernier, c'est le the Fils. Son, right? C'est le Fils. Okay. Go to John 5, open up Quran, chapter 22 of the Quran. Go to John 5. Okay, John 5 is here. Yeah, get to 21, but go to 21. Chapter 22 of the Quran. Vas-y. Et juste pour rectifier ce que je voulais dire par rapport au verset, le fait, en fait, c'est comme vous l'avez dit, c'est que vous, quand vous utilisez le Coran, ça ne veut pas dire que vous croyez au Coran. Et moi, quand j'utilise la Bible, ça ne veut pas dire que je crois dans l'entièreté de la Bible. Ok, it doesn't believe in the whole Donc, en fait, so then don't quote parts that you like and reject the word. Dans ce cas-là, n'utilise pas les versets bibliques. Ah, si, c'est toi qui choisis, ça me plaît. Non, c'est pas que ça me plaît pas. Moi, je vous mets face à vos textes. Et de la même manière, exactement. And by the way, tu ne peux pas me reprocher le fait d'utiliser la Bible alors que vous-même, vous utilisez le Coran. On utilise le Coran. Mais encore une fois, that's an admission on his part. C'est le même procédé. When you translate, that's an admission on his part that the Bible exposes Muhammad as a false prophet, which is why he rejects those parts. Et tu es obligé de rejeter. La raison pour laquelle tu rejettes ces passages, parce que ça prouve que Muhammad est un faux prophète. You proved our point today. Moi, je veux juste. Il faut que ces passages-là, vous les compreniez à la lumière de l'ensemble du message. Bah oui. Et pas prendre un verset, l'expliquer d'une manière. Parce qu'en fait, vous allez arriver avec des contradictions. C'est toi qui as utilisé un verset. En effet, on a lu le contexte en effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut.
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Okay, now notice, he says like the Father, comme le Père, the Son, le Fils, gives life to whom he wants. Dieu donne la vie à qui il veut. Now read verse 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Okay. Whose voice will they hear? Laquelle voix ils vont entendre? What does it say? Le Fils de Dieu. Son of God. The Son of God, right? Le Fils de Dieu. Yeah. So the Son of God will raise the dead by his voice, va right? Ressusciter les morts. Now read 28-29. Par sa propre voix. 28-29. John 5, 28-29. En effet. 28-29. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient, et tous ceux qui dans les tombeaux entendront sa voix en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Okay, now, according to what Jesus said, the hour is coming, right? Jésus a dit, l'heure viendra. Where the dead, où les morts, in their graves, dans leur tombeau, will hear the voice of the Son of God, right? Entendront la voix du Fils de Dieu. The voice of the Son of God, right? Say it. Have you been in the room? Yeah, it's okay. No, because you're not. You're helping me. Yeah, sorry. The voice of the Son of God, la voix du Fils de Dieu, okay? The dead in their graves will hear, les morts dans leur tombeau entendront, at that hour, à cette heure-là, and will come out to live. Et viendront et so who's going to raise them to life out of the grave? Qui va les ressusciter à la vie éternelle? Who is it? C'est qui? Who's going to do that? C'est qui? Yeah. C'est qui? Who's going to do qui? It? C'est Jésus. Yeah. Okay, the Son of God, right? Yeah, the Son of God. But according to the Quran, Allah is going to do it. Chapter 22. Mais le Coran, chapitre 22, 22, 22, 6 et 7. I don't have Coran. Il en est ainsi. Parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Okay, did you see what the Quran said? Vous avez vu ce que le Coran Allah's the one who gives life. C'est Allah qui donne la vie. He is the truth. Il est la vérité. And he will raise the dead from their graves. C'est lui qui donnera la vie aux morts dans un tombeau. Jesus in John says, Jésus dans Jean a dit, I give life. C'est moi qui donne la vie. Like the Father does. Comme le Père. I am the truth. Je suis la vérité. And the dead will come out of their graves. Et les morts sortiront de leur tombeau. At the hour. À l'heure. By the sound of my voice. Par la voix. So even the Quran shows that Jesus is claiming things that only God can claim. Donc le Coran est d'accord avec la Bible. Let me finish. I have a final. On vous laisse les sept dernières. Ok, les cinq dernières. Je veux une conclusion de chacun. Je veux une conclusion. Avant qu'on conclue, avant de conclure, chacun va faire une conclusion sur la thématique, etc. Mais je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. À chacun, la partie musulmane, la partie chrétienne. Ok, tu lui traduis. On sait que aujourd'hui, c'est vraiment crucial. C'est une question qui est fondamentale. Souvent, je dirais, les gens critiquent, je dirais, la personne de Muhammad. Certains vont critiquer la personne du Christ. On sait une chose, c'est que Muhammad, je dis bien, le prophète de l'islam, a été l'un des plus grands réformateurs. Muhammad was one of the biggest reformer. He wants to quote. Voilà. Il a amené quand même l'unicité politique et sociale avec tous les bédouins arabes. À l'époque de Muhammad, on enterrait les filles à la naissance pour pas les nourrir. Before Muhammad, they would bury. Et Muhammad, les femmes, les petites filles, little girls. On pratiquait la castration, la mutilation. Mutilation and castration. Muhammad, le prophète de l'islam, va annuler toutes ces choses. Muhammad is going to cancel all those things. Ma question aujourd'hui, c'est que c'est facile de critiquer. It's easy to criticize. Mais j'ai besoin de savoir. D'après ce texte de Matthieu chapitre 7, qui est écrit au verset 15, « Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, dedans, c'est dans des loups voraces. Vous reconnaîtrez leurs fruits. » Je veux savoir clairement, quels sont les fruits de Jésus et quels sont les fruits de Muhammad. Donc pour la partie musulmane, je veux connaître quels sont les fruits de Muhammad. Et je veux connaître quels sont les fruits de Jésus. En une minute, s'il vous plaît, chacun. Yeah. Okay, 1 minute. Okay. Well, you're asking a question that requires hours to respond to. C'est une question. Excellent, you do it in the last 5 minutes. Good job. Okay, but it's partie musulmane, partie chrétienne. Je veux avoir les fruits. Ouais. De chacun des prophètes. C'est dommage que c'est. Il faut être clair. Mohammed, le prophète de l'islam, il a souvent, l'Occident le dit, il a usé du brigandage, de ce qu'on appelle le djihad. Et le sens du djihad, il faut qu'il soit compris. Alors, vous voulez répondre en premier ou moi?
Ok, donc moi je répondrai, enfin, parce que ça me lui prendra beaucoup de temps. Moi je dirais que Jésus, c'est vous qui avez parlé des fruits, hein. Était parfait, il était sans péché, même le Coran le dit. Mohammed, tu as cité certaines choses qu'il a fait de bien, bien évidemment. Mes parents étaient nés dans un pays communiste avec un dictateur. Il a fait énormément de bonnes choses et aujourd'hui, la Serbie est une catastrophe. Et les gens disent, c'est dommage, il nous manquait le dictateur. Donc il a fait quelque chose de bien. Mais quand tu regardes le tout, c'était du mauvais. C'était 90% de mauvais. Mais c'est vrai qu'il y avait un ordre, il n'y avait pas les guerres. Après qu'il soit mort, il y a eu des guerres, il y a eu des invasions. Mais quand on regarde la vie de Mohammed, excuse-moi, personnellement, c'est un sujet pour un autre débat, les fruits sont pourris. Mm-hmm. Il a pris, il est parti chez son fils adoptif, et il a vu la femme de fils adoptif, et il est tombé amoureux. Mm-hmm. Et il a annulé quelque chose de très noble, qui était l'adoption avant qu'il soit prophète, et il a interdit maintenant l'adoption parce qu'il voulait épouser la femme de son fils adoptif. Donc il a annulé l'adoption, c'est dans le Coran. Je m'arrête là parce qu'il m'a demandé une minute. Oui, moi je dirais que les fruits de Mohammed sont pourris. Qu'il y a du bon, bien évidemment. Tous les dictateurs du monde, tu vas en Russie, ils adorent Poutine. Tu vas en Irak, ils adorent partout. Ils adorent leurs dictateurs parce que... Quels sont les fruits de Jésus? Les fruits sont tous bons. Il n'y en a pas un seul de mauvais. D'accord. Pas un seul. Ok, merci. On alterne Moussa après et puis après Karim. Okay. On alterne Moussa pour toi. Okay. Oui, vas-y Karim, il y a longtemps que tu n'as pas parlé. Vas-y. Non, juste conclure en gros que, bon, en fait, je vais juste reprendre ce que j'avais envie de dire sur ce que tu viens de dire. Tu as juste cité un fruit en fait de Mohammed, ce que l'appelle la bénédiction de Dieu sur lui, en disant qu'il est tombé amoureux en fait de la femme de son fils adoptif en l'ayant vu. Juste pour dire que c'est une source qui est inauthentique chez nous. Elle est citée en fait, et c'est ce qu'on appelle un récit mursal d'après Mohammed ibn Yahya. Donc c'est un récit qui chez nous en fait est inauthentique. Bien sûr, c'est bien de le dire, Karim, bravo, c'est bien. Okay. Voilà. Pour conclure, je dirais donc, comme je l'avais dit hier, c'est que vous ne pouvez pas faire une analogie entre deux livres différents, alors que le langage est différent, et que vous ne faites pas ce que j'ai expliqué, ce que j'ai dit hier, un tafsir, vous ne faites pas un détail des mots. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans ce débat, parce que tu lui traduiras après. Je ne voulais pas rentrer dans ce débat, puisque ce n'était pas le thème d'aujourd'hui. Deuxième chose, comme je l'avais dit hier aussi, il faut prendre les évangiles dans leur ensemble et pas piocher des versets à gauche, à droite. Donc, moi, je suis déçu parce que là-bas, je voulais parler de Mohammed et ça a dévié sur un autre sujet. Donc, pour en finir sur les fruits, justement, on avait beaucoup de choses à dire sur les fruits. Toi, tu affirmes que 90% des fruits sont pourris. Nous, on va bien évidemment affirmer d'autres choses. Quels fruits? Donne-nous des fruits, Moussa. Oui, donne des fruits, il les connaît. Et tout ce que lui, il a cité comme mauvais fruits, nous, on va lui démontrer dans un prochain débat, parce que malheureusement... Donne au moins un fruit, un bon fruit, un bon fruit. On nous écoute. Alors, le meilleur des fruits, je pense que tout se résume avec... En fait, le fruit, tous les fruits se résument avec le tawahid. L'unicité divine, ça c'est le meilleur des fruits. Et c'est bien, voilà. Mais ça justement, nous on aurait voulu développer sur ce sujet. Avec plaisir, prochain débat. Ça a dévié sur la divinité, sur etc. En fait, si vous voulez, on peut faire un débat sur chaque thème. Aujourd'hui, c'était Mohammed, on a voulu développer, mais c'est parti un peu... Ça a mal commencé avec... les autorités musulmanes, etc. À la base, on a très bien vu que vous ne connaissiez pas les différences d'autorités musulmanes et leurs sources et leur compréhension des sources. Et donc, ça a donné une mauvaise compréhension. Ensuite, ça a dévié sur des choses carrément hors sujet. Donc, moi, je propose qu'on puisse faire un autre débat en clarifiant les fruits, entre autres, pas que par rapport aux fruits, entre autres par rapport à Mohammed lui-même. Puisque malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu développer convenablement, puisqu'on a fait du hors-sujet, et c'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Il a bien compris ma question, c'est-à-dire que on dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Ah, donc, quels sont les fruits? Prouver que Jésus, vraiment, c'est lui, c'est le chemin. La preuve, c'est que... Non, mais je parlais à lui, pas à toi, c'est bon, tu as déjà répondu. So, he wants to know, what are the fruits of Jesus? What are the fruits... the good fruits of Jesus. The fruits of Jesus transform lives. Il transforme la vie. Yeah, empowering them to love God. Il donne le pouvoir d'aimer Dieu. To God throughout the world. Dans le monde entier. To build orphanages. De d'ouvrir des hôpitaux, des
les gens sans parents, des orphelins, orphelinats, schools, des écoles, universités, the needs of people physically, physiquement, emotionally, émotionnellement, mentally, mentalement, and to give them the best news ever, et de leur donner la meilleure nouvelle de tous les temps, that there's a God in heaven, qu'il y a un Dieu dans le ciel, who loves them more than they can imagine, qui les aime plus qu'ils peuvent imaginer, and desires to be their father et qui veut être leur père et avoir une relation personnelle something avec eux. That Islam robs ce que l'islam vole d'une personne. Because all you can be in Islam is la seule chose que tu peux être en islam, c'est un esclave. But because of Jesus, mais merci, grâce you à can Jésus, be a child, tu peux être un enfant de Dieu.